Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Maison de la Poésie pour la nuit de la lecture avec Reading Wild. Alors, c'est presque un rendez-vous traditionnel qu'on a maintenant depuis 4 ans, un peu particulier cette année parce que voilà, on est en direct dans votre salon, mais on ressent votre présence et on va vous offrir la même lumière, la même chaleur par les textes, par cet amour de la lecture partagé avec tous nos invités ce soir qui vont vous parler de leur rapport à la lecture, de leur livre préféré, comme on le fait sur Reading Wild. Mais avant que ma première invitée me rejoigne, je vais vous présenter notre lecteur fil rouge. On a un magnifique comédien avec nous, Emmanuel Noblet, qui va nous accompagner, nous offrir, vous offrir des lectures, des textes tout au long de la soirée. Et on va commencer, je crois, avec un texte de Philippe Garnier, d'un très beau livre qui vient de sortir au premier parallèle, Pourquoi lire? Je pense que voilà, c'est un texte qui va bien annoncer ce moment qu'on va passer tous ensemble. À tout de suite avec Irène Jacob. Le dilemme du chercheur d'or. Cette expression est employée par les neurologues qui travaillent sur l'attention des internautes. C'est l'impatience de celui qui creuse au flanc d'une montagne, qui découvre un filon trop modeste à son goût et se remet à creuser 50 mètres plus loin dans l'espoir de trouver le gisement central. Quiconque navigue sur le web en est victime. Ce qu'il découvre n'est jamais assez suffisant. Chaque minute, il est tenté de cliquer sur un autre titre d'actualité, un autre site, une autre image. Au fil des clics, son impatience se fatigue et son attention se relâche. Elle flotte, hagarde, sur une dernière fenêtre de texte, de son ou d'image qu'elle n'a plus le courage de quitter. Et sur le web, l'infini des contenus lisibles dépasse de très loin le temps de cerveau dont nous disposons. Si au temps T, on procédait à une immense capture d'écran planétaire, plusieurs milliers de vies ne suffiraient pas à en déchiffrer le contenu. L'océan numérique global ne cesse de s'enrichir et s'accompagne d'une puissance de calcul en expansion. Sans doute excède-t-il déjà le temps de cerveau disponible de l'humanité depuis ses commencements. Avec la lecture d'un livre, le sentiment de finitude n'est plus anesthésié. Il peut devenir ingrat, voire insupportable, mais il peut aussi se muer en plénitude. Le texte, même s'il fait des milliers de pages, est statutairement fini. Les données qu'il contient n'augmentent pas chaque jour. Il ne nous inclut pas dans sa propre puissance de calcul. Nous nous y aventurons en sachant que la lecture prendra fin, quoi qu'il advienne. C'est un fil sur lequel nous tentons de rester en équilibre, mais qui ne se prolonge pas indéfiniment. La lecture d'un long texte peut libérer le chercheur d'or de cet envoûtement. Non qu'il découvre le filon mère au premier coup de pioche, mais il peut se laisser gagner par la présence dispersée de paillettes dans la roche. Chaque paillette joue le rôle d'une balise, d'une infime confirmation. La route est prometteuse ou non. C'est là qu'il faut ou non creuser. Ce pacte avec le flux suppose un certain abandon. Le consentement se joue dès les premières pages. Cette adhésion élémentaire doit être capable de résister aux interférences de toutes sortes, intérieures ou extérieures. Elle se nourrit parfois de la seule force de l'incipit. Enfin, je commençais les livres par le milieu. Je suis entré dans Madame Bovary par cette phrase. Charles pleura quand il la vit manger sa première tartine de confiture. Si j'avais lu d'abord Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois, je me serais peut-être arrêté là. Merci Emmanuel pour cette première lecture. Irène Jacob, bonsoir. Bonsoir. Je vous entendais rire, sourire sur la fin de ce texte de Philippe Garnier. Bah oui, c'est vrai que la première phrase d'accroche comme ça quand on ouvre un livre, c'est vrai que parfois moi aussi j'ouvre le livre par son milieu ou par la fin. C'est vrai que la première phrase d'accroche, bah c'est comme voilà le premier moment où on rencontre quelqu'un. Enfin, je veux dire tout de suite ça accroche, ça intrigue, ça. On se dit, tiens, j'ai envie de lire ce livre, ou alors pas. Voilà, c'est ça. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes notre première invitée. Merci. C'est vraiment émouvant d'être ici ce soir. Sur une scène, voilà. Ensemble. Oui. Ben ouais, bien sûr, parce que
quand je suis arrivée, que j'ai vu comme tout était préparé ici, et une ambiance de fête. Et voilà, on sait que le public est quelque part. Bonjour à tous. Voilà, ils sont là. Et effectivement, on a essayé avec Reading One, avec Francesca Mantovani aussi, de préparer pour vous accueillir aussi et pour qu'on ressente la présence, même à distance. Merci. Bah oui, je suis venue souvent ici à la Maison de la Poésie, oui. Soit écouter des auteurs, soit participer, soit lire. Lire. Et c'est un endroit où il y a toujours une atmosphère très conviviale. Oui. Avec le public et la scène, enfin c'est vrai que voilà, donc on va penser à ça et aujourd'hui essayer de passer la soirée la plus, comment dire, conviviale et ensemble possible. Ouais, absolument. Alors vous le disiez, vous êtes venu souvent lire ici et dans beaucoup de magnifiques festivals. Vous êtes une magnifique comédienne. Je ne vais pas vous reparler de La double vie de Véronique, mais moi c'est un film qui a marqué aussi mon panthéon personnel, donc ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Et donc vous êtes comédienne et donc vous lisez aussi souvent les textes dans le cadre de votre métier. Voilà, donc grande lectrice je pense à titre personnel et aussi à ces textes qui viennent à vous par le théâtre, par les festivals. Alors Irène Jacob, on a une question en fait sur Reading Wild, c'est quelle lectrice êtes-vous ? Eh bien, je dois dire que je suis amenée à lire beaucoup de choses en fait, c'est vrai. Si je prépare un rôle, je vais lire certainement tout l'auteur, puis je vais peut-être lire des choses autour. Et puis il y a ce livre qu'une amie m'a prêté, et puis il y a ce livre qui me guette depuis longtemps et qui me dit bah alors tu m'as acheté quand même il y a 3 mois, tu m'as toujours pas ouvert. Je me dis frère, faut quand même que je le lise. Il y a ce livre, tout d'un coup j'ai eu un petit coup de cœur, je l'ai quand même pris. Et donc j'ai l'impression d'être une lectrice qui lit plusieurs livres en même temps. Et j'en ouvre un, je les lis, mais voilà, ils peuvent, je jongle d'un livre à l'autre et puis je me laisse tenter aussi parfois. Voilà, je fais des infidélités à mon livre. Oh, je vois un autre livre comme ça qui traîne, celui de mon fils, et hop, ça y est, je suis partie. Et voilà. Donc c'est un peu le genre de lectrice que je suis. J'avoue que la lecture, c'est pour moi essentiel, c'est vraiment un ami de papier, un ami. C'est vrai que quand on joue un rôle, la première chose, c'est qu'on lit un scénario, on lit des mots sur un papier. Quand on lit une pièce de théâtre, ce sont des mots aussi écrits sur un papier. Et quelle est cette relation du papier à soi, à ses émotions, à comment on voyage ? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il y a une présence dans ces livres. Et même s'ils sont juste là, sur la table... Oui. Eh bien voilà, quand je voyage par exemple, quand je vais en tournée dans un hôtel, je prends toujours avec moi 2-3 livres ou 4-5 livres parce que je me dis je sais pas lequel j'aurais envie d'ouvrir, je les pose dans ma chambre d'hôtel, je sais qu'ils sont là, tout de suite j'ai l'impression d'avoir quelques amis. Et comment ils vous appellent alors ? Comment ils vous attrapent ? Alors ça, je trouve que le livre, il faut qu'il y ait le moment, ouais. C'est-à-dire qu'il est là. Et puis, il y a des livres, peut-être, par exemple, que vous avez commencé, vous n'avez pas terminé. Vous dites, voilà, il faudrait que je le relise. Et moi, il y a beaucoup de livres que j'ai achetés qui m'attendent sur une pile à la maison. Et parfois, je les emmène dans ma valise. Ils sont partis en Italie, ils sont revenus. Ils n'ont pas été ouverts encore, puis ils sont repartis en Bretagne, ils ne sont pas revenus. Et les livres, ils ont comme ça. Puis, il y a un moment où, tout d'un coup, on l'ouvre. Et ce moment-là, ce n'est pas grand-chose à faire. Hein. C'est prendre le livre et se dire, tiens, comme ça. On sait que c'est quelque chose qui nous engage déjà, de prendre ce livre et de faire, tiens, voilà, il y a quelque chose qui commence. Et puis, on peut lire pour une demi-heure chez un ami quelque chose. C'est Joyce qui vous a voilà, attiré sur la table. Et Dieu sait si Joyce est un livre. Ulysse, j'avoue, je ne l'ai jamais lu en entier. Pourtant, Dieu sait si tant de personnes m'ont dit que c'est un livre chevet. Formidable. Je pense aussi que de le lire en anglais, ça doit être exceptionnel. J'en ai lu, pourtant, beaucoup de parties. Et c'est vrai que c'est une chance extraordinaire dans mon métier d'avoir à lire des livres parfois auxquels je n'aurais pas pensé. Oui. C'est comme des blind dates. C'est-à-dire qu'on me dit, est-ce que tu pourrais venir nous lire ce livre ou est-ce que tu pourrais faire pour cet audio-livre ou,
Une fois, par exemple, justement, on m'avait proposé de lire le monologue de Molly dans James Joyce. Et c'était avec Stephen Ray, qui est un acteur irlandais extraordinaire. Ça avait été une joie. Et c'est vrai que je l'ai entendu lui le dire en anglais. Et j'avais l'impression de... Enfin, je sentais que Joyce, c'était dans sa langue et qu'il était mais à l'aise dans cette langue. Je découvrais Joyce par sa voix. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des voix dans les livres. Oui. Elles sont toutes là. Et parfois, on ouvre un livre et on n'entend pas la voix du livre. Alors, on est un peu intimidé, on ne comprend pas, mais on ne comprend pas le rythme, on ne comprend pas le mouvement du livre. Et c'est arrivé souvent, par exemple, que mes fils, par exemple, commencent Un amour de soi, et ils me disent « Oh, mais c'est un peu ennuyeux, c'est un peu bizarre comme c'est écrit. » Ou qu'ils lisent une pièce de Molière et qu'ils disent « C'est un peu... » Alors, Alors, comment on voulait, voilà. Ouais. Et... En fait, parfois en lisant, on me dit « Mais non, c'est super drôle, t'as pas remarqué que c'était drôle ?»« Non, mais si, je te jure, c'est drôle. » Et de le lire ensemble, « Ah, c'est un peu comme Joyce par Stephen Ray pour moi. »« Ah, j'ai entendu la voix. » Et à ce moment-là, on a l'ouverture pour pouvoir le lire. Et c'est vrai que ça a été le cas de... Vous voyez, il va rester sur mes genoux, oui, ce sera un bon compagnon. Ouais, voilà. C'est une bonne démonstration de ce que vous... Je crois que ça peut être des amis comme ça, aussi des objets. Et là, il est en train de me dire, il faut que tu me lises bientôt. c'est promis. Voilà, donc la lectrice que je suis, c'est une lectrice parfois par hasard et en remerciant beaucoup ce hasard, en me disant j'ai vraiment de la chance. Et puis autre chose aussi, c'est que j'ai l'occasion, et Emmanuel c'est pareil, parfois de dire un texte pendant 150 représentations. Mmh. Et c'est chaque fois le même texte. Alors Emmanuel, c'est vrai qu'il a adapté « Réparer les vivants » de Maëlys Kerengal. Et c'est vrai que récemment, moi j'avais lu « Retour à Reims » de Didier Ribon. Et pendant un an, on a un texte dans sa poche. Et on sait que le soir, on va le dire et on va le revisiter. Ça ne sera jamais tout à fait pareil. Et... Parfois, je me dis quelle chance aussi d'avoir cette expérience, de relire un texte comme ça, tant de fois. Parce que quand on lit un texte une fois, on le lit une fois, on peut être très impressionné, puis voilà, au bout d'un moment, cette impression est légère et peut vous quitter. Mais quand on le lit et relit et relit et relit, on a l'impression comme d'une soirée qui s'étend, on parle, tout d'un coup, on se rencontre les jours tristes, on se rencontre les jours gais, on se rencontre les jours non inspirés, on se rencontre les jours passionnés. Alors voilà, ça devient une expérience de chaque jour, le même texte et la rencontre de ce même texte chaque jour. Et voilà, ensuite on se quitte et pareil, petit à petit, le texte s'en va. Il en reste toujours une trace, mais voilà, c'est ça, c'est une autre façon de lire encore. C'est lire le même texte plusieurs fois. Alors moi, j'ai quand même... très envie de vous entendre lire, là, vous écouter. J'avais plein de questions, mais est-ce qu'on peut lire quelque chose avec vous, Irène? D'accord, avec grand plaisir. Je brûle de vous entendre, vraiment. Alors, franchement, c'est vrai que je me suis dit, je vais prendre un sac avec plusieurs livres que justement je lis en ce moment, parce que voilà, c'est un grand sac. C'est vrai que je suis allée dans un festival littéraire à Brive. J'ai eu envie d'acheter tous les livres. Je suis revenue avec un sac de livres et voilà. Et puis. J'ai vu hier un livre traîner sur la table de mon petit déjeuner. Mmh. C'était le livre que j'avais offert à mon fils. C'est un livre que j'avais déjà lu quand j'avais 20 ans, que j'avais adoré. J'avais vu la pièce, j'avais trouvé ça formidable. Et je me suis dit, comme il a envie d'être comédien, je vais lui offrir ce livre. Et puis, c'est moi qui l'ai lu hier. Il est tombé sur moi. Et puis, alors il est là, oui. Et je me suis dit, il est tombé sur vous, j'adore cette image. Et je me suis dit, voilà un livre qui pourrait être une bonne façon de commencer notre rencontre sur la lecture. Parce que, donc le livre, c'est Elvire Jouvet 40. Je vais le montrer peut-être, voilà. Et c'est ce sont les cours du conservatoire de Louis Jouvet qui ont été enregistrés.
Et il y a un livre qui s'appelle La comédie, l'autre La tragédie. Mais là, c'est un livre qui recense seulement le travail d'une comédienne qui s'appelle Claudia et qui travaille sur le monologue d'Elvire dans Don Juan de Molière. Et pendant tout le livre, on va la voir retravailler ce même monologue et ce même monologue et ce même monologue. Et Louis Jouvet va la faire travailler. Et je trouvais que c'était un bon exemple de qu'est-ce qui se passe quand une comédienne voit des mots de papier et elle va devoir en faire chair, l'incarner. Comment ça se fait que ces mots de papier vont devenir émotions, vont devenir souvenirs, vont devenir emphase, vont devenir passion, vont devenir horreur, vont devenir désarroi, vont devenir témoignage. Et alors voilà, j'ai lu ces passages et je me suis dit qu'est-ce que c'est bien. J'étais toute contente de relire ces interventions de Jouvet. Alors voilà, je vais me lancer. Alors évidemment, c'est un petit extrait que j'ai choisi, mais je me suis dit effectivement que c'était la même chose avec la lecture. Comment est-ce qu'un mot devient physique, finalement? Comment est-ce qu'un mot devient mouvement? Alors, voilà. Donc au début, je vais commencer un tout petit peu par la tirade d'Elvire, donc... Pour pouvoir partager un peu le moment les interventions de Louis Jouvet. Je voudrais encore dire une chose, c'est que ces interventions ont toutes été écrites par l'assistante de Louis Jouvet, qui était là dans les cours, dans la classe, et cette assistante était Charlotte Delbault. Charlotte Delbault, qui a été une grande résistante et qui a aussi écrit des livres bouleversants et de témoignages sur les camps. Alors évidemment, ça y est encore autre chose, c'est que ça s'appelle Elvire Jouvet 40 parce qu'on est dans la deuxième, enfin on est en 40. On est en 40 dans un moment qui est très difficile, c'est la guerre. C'est la guerre et on travaille Elvire de Molière. On travaille Elvire qui a été écrit en 1665. Et on est en 1940, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Don Elvire, ne soyez pas surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie, et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de venir vous trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère est redoutable et prête à tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir et que peut-être vous n'avez encore qu'un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue grâce au ciel de toutes mes folles pensées, ma retraite est résolue. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour votre faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels.
Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous en prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Alors, ça, c'est le passage que passe la comédienne. Et elle s'excuse. Elle dit, voilà, je suis désolée, aujourd'hui, j'étais pas en forme, quoi. Hier, je le sentais bien, j'avais l'émotion, je disais ce texte, j'étais portée par cette grâce, j'avais envie de sauver Don Juan, je me sentais extatique, et là, vraiment, je ne retrouve pas le sentiment. Alors, Claudia est certainement... ça arrive, il y a des jours avec et des jours sans. C'est pareil avec la lecture, il y a des jours où on est distrait, on n'arrive pas à lire une ligne, et d'autres, au contraire, où on arrive à lire. Et Jouvet, peut-être aussi qu'elle est complètement bouleversée par la guerre aussi autour d'elle et qu'elle a du mal à se concentrer sur le texte d'Elvire, tout simplement. Et Jouvet lui dit, tu dois retrouver le sentiment. Ou alors, tu n'es pas une comédienne, tu es une tricheuse. Personne ne te le donnera que toi-même. Elvire est dans un état qui est si fort intérieurement, c'est si plein d'amour intérieurement, qu'elle est quasi inconsciente de ce qu'elle dit. C'est une somnambule qui entre. Or, ta marche d'entrée est une marche consciente déjà. On sent que tu entres volontairement. Tout ce que tu dis là-dedans est conscient d'un bout à l'autre. Tu donnes l'inverse de ce qu'est le morceau. C'est-à-dire une conscience constante, une politesse mondaine, avec l'accentuation de certains mots. Ça fait discours de directeur. Alors que le morceau est le contraire. Ce morceau est étonnant, stupéfiant. Parce que cette femme se met tout à coup à parler sur un ton, avec une éloquence, dans un style ravissant qui jaillit d'elle inconsciemment. Tu nous donnes, toi, l'impression d'expliquer ce que tu dis, le détail, ta marche d'entrée. La marche d'entrée, c'est quelqu'un qui entre dans un état d'égarement total. C'est l'égarement de Lady Macbeth. Toi, tu sais ce que tu dis tout le temps. Tu n'es pas arrivé à cet état de congestion intérieure, de congestion de sentiments, de sensations. Tu n'es pas arrivé à cet état qui te donnera l'égarement, l'inconscience de ce que tu dis, qui par conséquent te donnera cet état céleste dont je te parlais tout à l'heure, ce ton prophétique qui est stupéfiant. C'est ce que tu n'as pas là-dedans. Même tes gestes sont les gestes que tu fais quand tu veux les faire. Quand tu fais un geste, ton corps suit le geste. C'est tout toi qui participe à ce geste, alors que les gestes d'Elvire sont des gestes inconscients. Ce sont des gestes extatiques. C'est quelqu'un qui est dans un état d'extase. Il y a dans le personnage une fixité intérieure qui lui donne un côté hagard et extatique, alors que chez toi, il y a une inclinaison de la tête voulue. Cela se trahit continuellement dans ta diction. Il n'y a pas une accentuation dans tout ce que tu dis. Ça sonne rond. Ça sonne creux, comme ça, heureusement, comme je ne l'ai pas dit génialement tout à l'heure, c'est pareil. C'est un débit monotone. Tu as dit, ma retraite est résolue. En trois temps, au plus grand de tous les malheurs. Mais non, ce sera pour moi une joie incroyable. Mais non, ce qui prouve que tu n'es pas dans l'état physique du personnage. Alors tu cherches à remplacer avec des gestes, avec le texte, et surtout tu parles à Don Juan. Mais non, c'est une femme à ce moment-là qui parle devant elle, complètement publique. Elle entre, elle lui dit, ne soyez pas surprise Don Juan, j'ai quelque chose à vous dire. Elle a les yeux baissés, presque. Quand on a couru pour venir quelque chose, pour venir dire quelque chose de très important, on ferme les volets de ses yeux pour rester seule avec ses pensées, avec ce qu'on dit. Elle lui dit, ne soyez pas surpris de ceci, ne soyez pas surpris de cela, ne soyez pas étonné face au public. Rien au monde ne m'est plus cher que vous. Quand tu dis ça, toi, tu le dis avec une conscience, avec un sens de ce que tu dis, qui est le contraire de ce morceau. La femme qui dit ça ne s'entend pas. C'est l'égarement absolu. Il ne faut pas que la comédienne s'entende dire ça. Si tu te reposes sur le texte, si tu veux nous l'expliquer, tu trouves dans le texte des moyens d'émotion personnelle et le texte est perdu. Ce serait une langue inconnue que tu dirais, eh bien ça vaudrait mieux. Non, vous dis-je,
ne perdons point de temps en discours superflus. Mais c'était mondain, gracieux, ce que tu fais là-dessus. Le miracle de cette scène est dans l'inconscience. Et il faut que le public se rende compte que cette femme est dans un état de transe, d'extase. Oui, dit Claudia, oui, c'est vrai, je suis rentrée, je n'étais pas tout à fait dans le sentiment. Mais non, mais quand tu rentres, tu dois être dans le sentiment. Sinon, tu ne peux pas le rattraper. Ce qu'il faut trouver, c'est l'entrée en scène. C'est le contraire de l'euphorie, une scène comme celle-là. Ça relève plutôt du fakir. La scène est étonnante, stupéfiante par ce caractère de somnambulisme, d'égarement dans lequel est cette femme. Et même si on n'est pas religieux, on doit être frappé. C'est un texte d'une pureté extraordinaire, qui a une suavité étonnante. Au bout d'un certain temps, ça sent l'encens. Il faut avoir dans ce morceau ce sentiment que donnent les gens qui parlent sous un impérieux besoin de parler et d'arriver au bout de leur message. Quand Elvire a fini de parler, il faut qu'on sente qu'elle a fini de parler, qu'elle n'a plus rien à dire. Elle est venue là comme un messager divin. C'est une apparition, une annonciation qui arrive brusquement avec l'éclat que donne l'apparition. C'est une apparition céleste comme un ange. La nue éclate. On voit tout à coup l'apparition et puis elle parle. Et puis quand c'est fini, c'est fini. C'est quelque chose de soudain et qui disparaît. Dans la scène d'Elvire, la difficulté est qu'il n'y a pas de moyens artificiels. Il n'y a pas de machinerie. C'est l'actrice elle-même qui doit donner ce caractère étonnant, soudain, merveilleux. Voilà. Alors, merci. Je pense que l'émotion est parvenue jusqu'à vous, chez vous. Et voilà. Je pense que les gens sont en train de vous applaudir de chez eux pour ce très beau moment. Avant que Kéranan nous rejoigne, la lecture, elle est arrivée comment dans votre vie ? Votre premier contact et à quel moment elle vous a happé complètement, séduite, dès le début, comment ça s'est passé? Oui, je crois que j'ai commencé par des lectures, par les bandes dessinées aussi, par des livres d'enfants. Mais je crois que, pour reprendre ces mots de Jouvet que j'ai envie de prendre pour moi, quand c'est fini, il y a un message, il y a une nécessité de parler. Un livre, c'est une nécessité de parler. C'est quelqu'un qui a pris le temps, qui avait besoin de dire quelque chose et qui l'a dit. D'abord, il l'a porté en lui pendant longtemps et puis tout d'un coup, les mots se sont couchés. Et ça a été dit, ça a été la langue. Et nous, on est là et on peut le partager et faire revivre ces mots. Et chaque fois qu'un lecteur viendra lire ces mots, les mots vont revivre et vont redanser. Alors, pour nous, les comédiens aussi, c'est ça, lire... Et puis lire, bon, là, ce n'était pas vraiment une lecture, c'était partager un texte que je viens de lire, qui n'est pas sur la lecture, mais qui est quand même sur la lecture. Oui. Parce que ce sont des mots de papier, et puis tout d'un coup, ça devient une femme qui arrive dans une urgence extraordinaire, ça devient Molière, qui a écrit ça en 1665, ça devient cette comédienne en 1940, qui est juive, qui ne va pas pouvoir faire la carrière qu'elle aurait aimé faire, qui... travaille ce texte d'Elvire, ce sont ces mots-là dans cette nécessité-là, ces mots nécessaires. On avait évoqué ce poème de Charlotte, d'André Chédid, je vois qu'on va lire, que vous avez les... Mais ces mots nécessaires, ces mots sauveurs, ces mots libérateurs, ces mots partageurs. Et ces mots qui ont pu revivre aussi là, ce soir, en 2021, grâce à vous, sur cette scène, à la Maison de la Poésie. Alors, Kéranan nous a rejoints. Je suis ravie de cette première rencontre avec vous, Kéranan, sur une scène. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Et c'est fantastique d'écouter Emmanuel et Irène lire comme ça. C'est un vrai cadeau, en fait. Je pourrais rester là et les écouter et vous écouter en parler comme ça. Donc, je suis très contente d'en faire partie. Je suis très heureuse de vous recevoir et je sais que vous avez eu une semaine chargée aussi. Et vous êtes en enregistrement en ce moment ? Je travaille sur plusieurs projets, oui, pour un opéra pour 2022. Génial. Et différents projets qui sont en cours à force d'avoir annulé des concerts depuis quelques mois. J'ai entamé beaucoup de projets. Et puis certains
prennent forme. Donc, et j'ai vu que votre prochain concert était reprogrammé en juin, je crois. Alors, toute la tournée qui était prévue pour janvier, février, mars est en train d'être annulée. Donc oui, on est en train de reprogrammer pour plus tard dans l'année. Bon, j'ai hâte d'y être. Mais ce qui était joli dans le fait que vous vous rencontriez avec moi aussi ce soir, c'est qu'en fait, vous avez, voilà, je pense, un amour des mots, une amitié qui vous relie, indépendamment de l'invitation que je vous ai faite à chacune. Et donc, c'était encore plus merveilleux de savoir que vous alliez vous retrouver. Avant que vous nous rejoigniez sur la banquette Kerenan, je pense qu'on avait envie de partager autour de Virginia Woolf. En fait, dans votre album Bleu, moi, il y a une chanson que je trouve magnifique, qui est Sous l'eau. Et je crois qu'il y a une résonance avec Virginia Woolf. Peut-être je vous laisse en dire quelques mots. En fait, déjà, je pense que Virginia Woolf est une inspiration pour plein de personnes qui aiment écrire, mais surtout ceux qui aiment écrire des chansons. Il y a quelque chose de très osé dans la manière dont on aborde la narration chez elle. Dans The Waves, les vagues, son rapport à l'eau, il est comme dans plein de ses écrits. Il est très fort et justement, en fait, cette chanson « Sous l'eau », elle résonnait pour moi une manière qu'elle pourrait, à travers un de ses personnages, raconter et témoigner. Parce qu'on ne sait pas dans cette chanson si c'est une naissance sous l'eau ou si c'est une mort sous l'eau. Et en fait, cette ambiguïté, elle existe chez Virginia Woolf et toujours le côté lumineux du drame. Et puis voilà, il y a en fait beaucoup de rock'n'roll dans la manière d'aborder la tristesse et la souffrance, et beaucoup de lumière aussi. Ouais. Je pense que c'est réconfortant pour les gens qui aiment écrire des chansons, qui ont grandi avec cette architecture de couplet-refrain. Donc on peut toujours se reconforter d'un refrain qui nous ramène à quelque chose où on peut répéter une sensation qu'on a déjà racontée et puis dans les couplets, aller chercher d'autres points de vue. Et donc oui, Virginia Woolf, elle était depuis toujours, elle m'a accompagnée. Mais c'est vrai que dans cet album, j'y ai pensé beaucoup. Alors on a imaginé que vous puissiez... Irène, peut-être du coup nous lire la lettre que Virginia Woolf a écrite à son mari, Léonard, juste avant de mettre fin à ses jours. Donc peut-être on vous écoute. Et Kerenan, je vous laisse naviguer et nous emporter après peut-être vers votre chanson Sous l'eau, si ça vous va. Oui, alors il y avait question peut-être qu'on la lise en français, en français. Et en anglais, on verra comment... Comme vous le ressentez, je pense. Nous, c'est un cadeau de vous écouter. Donc, je vous suis dans le voyage. Je vous écoute. Mon chéri, je suis en train de sombrer dans la folie à nouveau. J'en suis sûre. Je sais que nous n'arriverons pas à bout de ces horribles crises. Et cette fois, je ne guérirai pas. Je recommence à entendre des voix et n'arrive pas à concentrer mes pensées. Alors je vais faire ce qui semble la meilleure chose à faire. Tu m'as rendue parfaitement heureuse. Tu as été pour moi ce que personne d'autre n'aurait pu être. Je ne crois pas que deux êtres eussent pu connaître si grand bonheur jusqu'à ce que commence cette affreuse maladie. Je ne peux plus lutter davantage. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourras travailler. Et je sais que tu le feras. Tu vois, je n'arrive même pas à écrire cette lettre correctement. Je n'arrive pas à lire. Ce que je veux te dire, c'est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu t'es montré d'une entière patience pour moi et indiciblement bon. Tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, c'eût été toi. Tout m'a quitté excepté la certitude de ta bonté.
Je ne veux pas continuer à gâcher plus longtemps ta vie. Je ne crois pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous l'avons été. Dearest, I feel certain I'm going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times, and I shan't recover this time. I begin to hear voices, and I can't concentrate, so I'm doing what seems to be the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that anyone could be. I don't think two people could have been happier till this terrible disease came. I can't fight any longer. I know that I'm spoiling your life, that without me you could work, and you will. I know you will. You see, I can't even write this properly. I can't read. What I want to say is that I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that. Everybody knows it. If anybody could have saved me, it would have been you. Everything is gone for me but the certainty of your goodness. I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. C'est beau sous l'eau quand le soleil splendide se jette dans le vide, le son du fond. Tes mots à flot me percent à demi-voix. Je vis quand je te vois. Pourtant, le sang qui coule dans la splendeur vient-il vraiment d'ailleurs? Il me tue, cet amour. 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 Cet amour, il me tue, cet amour.
Tellement, Karanan. Je vous laisse nous rejoindre, c'était merveilleux. Ça aurait pu durer toute la nuit pour moi. La musique nous manque beaucoup, beaucoup aussi. La scène nous manque. Et la musique à vivre ensemble. Moi, j'ai la chance d'être près de vous, mais je pense que, voilà, chez eux, les gens ont ressenti aussi ce cadeau. Oui. Moi, ça me manque aussi de ressentir. Ah, vous êtes passé là. Mais c'est marrant, on se retrouve, on essaie de se retrouver quand on peut. On est voisine avec Irène pour se donner. On se lit des choses et on se joue des choses. Parce qu'on a besoin de l'interaction, on a besoin de vivre ensemble autour de livres, autour des chansons, autour des films. On a besoin de parler de films. De ce qu'on a de voir au cinéma. Finalement, la chose à laquelle on a le plus accès pendant toute cette période, c'est vraiment les livres. C'est un peu... ça nous sauve. Ça nous sauve, ça nous relie ce soir. Et je profite qu'on est toutes les trois et que vous soyez toutes les deux. Non, mais comme ça, on est... Ouais, comme vous le sentez, on est en direct. Et justement, vous allez... C'est important de ressentir la présence et c'est encore mieux que vous soyez ensemble. Je voulais qu'on parle de Lou Doyon, qui nous relie aussi, qui vous relie, qui devait être avec nous ce soir, qui est très grippé et compte tenu du contexte sanitaire. Et c'est très respectueux et si important de sa part, a préféré ne pas prendre le risque d'être avec nous, mais avec beaucoup de tristesse. Si, on la regrette. Parce que moi, j'ai déjà partagé des soirées merveilleuses avec elle, et notamment en Trois Baudets. C'est une immense lectrice. Je crois que vous êtes copine et que vous partagez. Oui, pour nous, c'était un peu notre... Vous nous avez organisé notre soirée. Oui, je pense que vous pouvez lui faire coucou, parce que je pense qu'elle est derrière l'écran. Lou, manque. Allô, et puis bon... on le refera aussi ensemble avec elle. On fera des choses et c'est ce qu'elle disait. Et je me fais juste sa parole et elle s'excuse auprès du public ce soir, de vous qui êtes là et qui l'attendiez aussi. Voilà, elle était très, très triste et nous aussi. Mais tout à l'heure, naturellement, Irène, vous avez pris Ulysse de Joyce. C'est un livre qui est important aussi pour Lou. Donc, voyez, vous l'aviez près de vous, vous le ressentiez. Je pense que voilà, elle était déjà un peu avec nous. Donc voilà, on t'embrasse et je reviens vers vous, Karanan. Alors, vous parliez de la lecture, justement. Quelle lectrice êtes-vous et peut-être quel a été votre premier contact avec les livres? Alors, moi, je suis une lectrice. En fait, pour moi, la relation au livre, ce n'est pas un constant, c'est un variant. Parce qu'il y a des périodes, de longues périodes, où quand je suis en période d'écriture, je ne lis absolument rien. Par contre, quand je ne suis pas en période d'écriture très concentrée, qui me demande un focus et je suis obsédée par des mots et des sons et des notes, je lis en général plusieurs livres à la fois. J'ai besoin d'avoir plusieurs livres ouverts qui sont assez différents l'un de l'autre, qui peuvent m'emmener dans des ambiances différentes et m'emmener dans des rêveries différentes. Je lis beaucoup, beaucoup quand je suis en tournée sur la route. C'est mes compagnons de voyage. J'ai même dû, pour éviter de... Parce qu'entre les guitares, les amplis et tout, j'ai dû investir dans un Paperwhite Kindle, ce qui n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que quand on part en tournée, on peut emmener plein de choses et plein de livres qu'on a l'habitude d'avoir à côté d'eux. Si on a envie un peu de se plonger dans un livre de poésie ou de quelque chose, on l'a sous la main, donc c'est très très pratique. On a le choix. Voilà, avec on a le choix. Donc je peux partir avec un petit Kindle qui est rempli de livres, mais avec toujours 2-3 livres que je suis en train de lire
que je peux tenir et sentir et toucher. Ça dépend des périodes, mais les périodes où justement où je me permets ce luxe de, j'aime bien lire le matin au café. Ça, c'est, on en a fait parler, je pense. C'est quelque chose qui, soit si je me lève très très tôt, vraiment ce silence du matin, même avec un plaid comme ça, avec le café, il y a quelque chose qui est très, c'est comme si c'était un rendez-vous secret avant que tout le monde se lève, avant d'aller réveiller ma fille pour aller à l'école. Avant, il y a quelque chose, un moment à moi. C'est quoi votre dernière lecture café ? C'était ce matin ? C'était hier ? Oui, c'était ce matin. C'était ce matin ? Oui, et figurez-vous que c'était ce matin. Et en fait, je voulais juste noter les pages de choses dont on a parlé. Je me suis replongée. J'ai replongé parce qu'on va en parler, mais on a choisi un livre qui n'est pas très long. Et en fait, c'est tellement agréable de le lire. Donc, du coup, je me suis replongée dans ce livre et on parle de Déborah Lévy. Et en fait, je l'ai ouvert parce que je voulais noter la page de ce qu'on avait prévu de partager ce soir. Et en fait, finalement, je suis restée dedans un petit moment avec ce livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais c'est toujours agréable. Bah oui, on peut en parler, c'est vrai. Déborah Lévy, Le coup de la vie, qui est un livre merveilleux. Est-ce que vous l'avez lu, Irène ? Moi, c'est une passion qu'on a partagée avec Keren. Je pense que ça nous a rapprochés aussi dans le partage, vraiment d'avoir été prise par ce livre incroyable. C'est deux tomes parus d'une autobiographie et avec un troisième tome à venir, prix Femina du roman étranger. Qu'est-ce qui vous a happé, même ce matin, dans ce livre ? En fait, déjà, je pense que ce qui nous happe, en général, quand on s'attache à un livre, bien évidemment, il y a le style, le flow, le rythme. Irène parlait tout à l'heure des premières phrases qu'on lit d'un livre, à quel point ça nous, c'est comme une rencontre, en fait. Ça crée une relation. Et je pense que chez Déborah Lévy, il y a un flow, il y a un style qui est à la fois, en tout cas qui, moi, aujourd'hui, me parle. Il y a ce côté un peu... qui comprend les frontières de femme auteur et à la fois qui laisse ressortir un certain rébellion rock'n'roll qui existe en soi. Et je le sens. Je sens dans son rapport déjà à d'autres auteurs. Dans ce livre, Je vais le montrer, voilà. Moi, déjà. Pour le public. Quand on écrit en fait des chansons. On m'a dit que si je montrais un livre, c'était un peu par là. Voilà, je laisse le temps aux gens de découvrir cette couverture merveilleuse avec une image de Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. Oui. Et je le laisse continuer. En fait, déjà, elle est très très inspirée par plein d'artistes, d'auteurs et de gens de la culture francophone donc qu'on connaît. Donc tout peut nous parler et puis même les citations et toutes ces inspirations, ça fait partie de notre paysage presque de tous les jours et aussi son rapport à l'écriture. Alors ma rencontre ce livre, c'était le rapport que Déborah Lévy a à l'écriture. Il y a plein de choses dans le livre où je me suis reconnue. Elle raconte que elle a trouvé un cabanon en fait. Bon, le livre, on va découvrir son histoire un peu à elle et comment elle a choisi de raconter son histoire personnelle en dévoilant une partie de son histoire personnelle. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle investit un cabanon chez une amie à elle pour pouvoir y travailler, écrire. Et son rapport à l'espace de ce cabanon, la manière dont elle choisit de le remplir ou pas avec ses objets, à quel point elle avait besoin d'objets personnels à elle dans cet espace pour écrire et à quel point elle avait besoin qu'il soit dénudé de son esprit à elle et peut-être qu'il contienne des objets qui appartenaient à quelqu'un d'autre qui écrivait là-bas avant elle. Tout ce rapport à l'espace m'a beaucoup, beaucoup touchée. Mon rapport à l'espace dans l'écriture, il est très important. La manière dont une pièce est organisée, ça crée presque des fréquences quand j'ai besoin de remplir un espace de son. Quand je cherche une progression harmonique, quand je me mets au piano
ou à la guitare, ou quand j'écris, quand je cherche la rime, quand j'ai besoin d'un rythme et d'une architecture, je peux tourner autour de quelque chose et après je change quelque chose, ou ma position, quelque chose dans la pièce, et puis il y a un déclic, ça se, comme un robinet en fait, qui s'ouvre. Et j'ai senti que l'espace et son rapport aux objets autour d'elle pendant l'écriture était important. Son rapport à l'ordre, au désordre, aux matières. Je sais que moi, j'ai besoin d'un équilibre de matière. Il faut qu'il y ait du bois, il faut qu'il y ait aussi du coton. Il faut qu'il y ait dans la stéréo de ma vision, de ce que j'arrive à percevoir ou à ressentir quand je suis assise pour écrire. Je suis très sensible à l'espace et à ce qui m'entoure. Elle aussi. Elle l'a dit mieux que moi. En fait, elle a réussi à vraiment le raconter. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je comprends tellement cette sensation. Alors, c'est vrai, ça ne marche pas. Mais en fait, je trouvais que parfois, quand tu lis un livre devant un paysage ou dans un pays particulier, le pays prend la teinte aussi de cet endroit où tu l'as lu. Absolument. Absolument. C'est pendant quand... je pense que quand on lit un livre, de toute manière... Il a un rapport à plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a un livre, on peut le toucher et d'un coup, on pense à la personne qu'on a aimée la première fois qu'on l'a lu et à la personne, enfin, là où on vivait et ce qu'on faisait. Après, on le relit et la troisième fois qu'on le reprend, il a encore une double histoire. Donc oui, un livre, il a ce rapport-là. Celui-là, il aura deux fois le rapport à ma cuisine avec un café, avec un plaid. Mais en tout cas... Elle, autant qu'auteur, elle nous met des éléments dedans. Et c'est drôle parce que j'écris souvent dans ma cuisine, donc c'était comme ça. C'est-à-dire que j'avais envie de savoir ce qu'elle avait à dire par rapport à ça. Peut-être on peut le lire, ce passage. Est-ce que... Alors, moi, je l'ai en français, dans une merveilleuse traduction d'ailleurs de Céline Leroy. Oui, je réalise que vous l'avez peut-être lu en anglais. Alors, figurez-vous que je l'ai lu en français parce que j'ai pris connaissance de ce livre quand il a été traduit. Et donc... peut-être que si je l'avais connu avant, je l'aurais lu en anglais. Mais... Chez Penguin Books en anglais, voilà, aux éditions du Sous-sol en français. Voilà. Et voilà, je signalais Céline Leroy, c'est important. La traduction, c'est une vraie réécriture des textes. Tout à fait. C'est un merveilleux métier, c'est nos auteurs d'aujourd'hui, parce qu'on lit beaucoup de littérature étrangère. Donc bravo à elle, elle a traduit les deux. Ce que je ne veux pas savoir aussi. Et voilà, plein d'auteurs américains merveilleux, mais on vous écoute, les mots de Déborah Lévy. Alors en fait, juste avant de le lire, je veux juste raconter la situation. C'est le moment où elle, pendant qu'elle écrivait, elle a eu un changement qui est essentiel, je pense, pour chaque personne qui écrit. C'est qu'elle s'est rendue compte que d'un coup, elle s'est mise à écrire à la première personne, ce qu'elle ne faisait pas avant. Ce passage m'a touchée. Parce qu'en fait, quand on écrit des chansons, et des chansons un peu pop, folk, avec une architecture, la narration à la première personne, c'est un peu toute une vie. Ça commence très souvent par je, toi, vous. Enfin, il y a toujours, c'est toujours une histoire, même si c'est une histoire empruntée, on la raconte à la première personne pour arriver à vraiment raconter. C'est-à-dire que avec la voix, avec la mélodie, enfin, en général, c'est ce qu'on fait quand on écrit des chansons. Et donc, je pense que quand on commence à écrire à la première personne, c'est là qu'on arrive à savoir quelles limites on veut mettre à ce qu'on veut dévoiler ou pas. Et donc, le passage où elle raconte un peu son espace, ça vient juste après le moment où elle a commencé à écrire avec « je ». Donc, tout avait une autre importance. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Le jour où j'ai emménagé dans le cabanon, il neigeait. Un souffle froid s'échappait du congélateur. Il y avait des toiles d'araignées sur le toit, de la poussière partout, des feuilles et de la boue par terre. Comment allais-je le transformer en espace vivable ou écrire en hiver ? Écrire un roman exige de passer beaucoup d'heures assis sans bouger, comme lors d'un vol long courrier dont on connaîtrait plus ou moins le trajet, mais pas la destination finale. Je recouvert le fauteuil de mes deux peaux de mouton. Petit embiançage de pierre.
J'ai installé mon ordinateur portable, vérifié où étaient les prises à portée des rallonges. Pendant que la neige tombait sur le pommier, je me suis assise par terre pour démêler les câbles et ranger les cartons contenant mes livres et mes carnets. Je me suis demandé quoi faire de tout le papier qui accompagne un écrivain de ma génération. Il y avait des pièces de théâtre et des scénarios, des poèmes, des nouvelles, des livrets d'opéra, des bouts de romans écrits sur différents supports technologiques, machines à écrire mécaniques, machines à écrire électriques, premiers ordinateurs. Certains de mes carnets remontaient à 1985. L'un d'eux comportait une longue tirade griffonnée quand j'avais 26 ans et qui recourait au pronom « ça ». Ça commence par le fait de savoir et de ne pas savoir. Ça commence par le fait de savoir et de ne pas savoir ce qu'est un verre de lait, la pluie, un reproche, une portée claquée, les mots cinglants d'une mère, un escargot, un souhait, des ongles rongés, une fenêtre ouverte. Parfois c'est facile et parfois c'est insupportable. Alors ce qui est fabuleux, c'est que quand je vous écoute, j'entends déjà presque un peu une musique. Je pense que les auteurs ont un rythme. J'ai entendu Irène, quand elle a fait une lecture de son livre dans une librairie à côté de chez nous. Big Bang, aux éditions Albert Michel, qui est un merveilleux livre. Et c'est vrai que quand elle lisait, c'est comme si on rentrait dans son rythme à elle, de son rythme d'écriture. Je pense que chaque auteur a un rythme. Et après, on peut le lire avec un rythme qui n'est pas du tout le rythme dans lequel il a été écrit. C'est-à-dire que je suis presque certaine que si l'auteur de ce passage m'entendait lire, c'était une musique tout à fait différente pour elle. Mais c'est, je pense qu'on fait notre rythme, on met notre flow, on met notre petit beatbox caché, invisible, pendant qu'on lit. Ça crée une espèce de d'incantation, enfin comme un... Voilà, ça nous permet de stagner à des moments, ça nous permet de rentrer dans le souffle. Moi, j'aime bien avoir essayé de trouver un rythme qui va avec l'écriture de chaque auteur. Ben moi, j'aime bien vous écouter aussi, parce que c'est très beau. Alors, dans le questionnaire lecture de Reading Wild, il y a une question sur le livre que vous aimez offrir. Et vous m'avez fait découvrir un auteur, et, Bruno Schulz, et j'en parle parce qu'Emmanuel Noblet va nous rejoindre. Vous avez choisi un texte que vous aviez envie d'entendre. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de Bruno Schulz et peut-être de votre coup de cœur pour cet auteur? Nous en parler avant qu'on t'écoute, Emmanuel. En fait, Bruno Schulz était... On pourrait en parler des heures, mais voir sa place, la scène, c'est un nazi qui aimait ce qu'il faisait, qui lui a dit qu'il le laisserait en vie s'il pouvait écrire et dessiner. Et donc, les seuls textes et dessins qui restent de Bruno Schulz, c'est ceux qui ont été écrits et dessinés pendant une courte période où il a été surveillé par un nazi qui finalement Bruno Schulz n'a pas survécu à la guerre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses d'avant la guerre, enfin d'avant sa capture, qui ont été brûlées. Et finalement, il n'y a pas énormément de textes et de dessins qui ont été sauvés. Mais le printemps, enfin l'ouverture de Le Printemps en fait partie. Voici l'histoire d'un printemps qui fut plus vrai, plus éblouissant et plus violent que les autres, qui avait tout simplement pris au sérieux, à la lettre, son texte, ce manifeste inspiré, écrit avec un rouge de fête le plus clair, celui de la laque à cacheter et du calendrier, du crayon de couleur et de l'enthousiasme, amarante des télégrammes heureux de là-bas. Chaque printemps commence ainsi, avec ses horoscopes énormes et enivrants, et qui ne sont pas à la mesure d'une seule saison. Dans chaque printemps, il y a tout ceci, disons-le une bonne fois. Cortège et manifestation interminable, révolution et barricade. Chaque printemps est à un moment donné traversé par un vent chaud d'acharnement, une tristesse, un enchantement sans bornes qui cherche en vain son équivalent
dans la réalité. Plus tard, ces exagérations et apogées, amoncellements et extases entrent en floraison, se fondent dans l'exubérance des feuillages qui bougent dans les jardins printaniers la nuit, et le bruissement les absorbe. Ainsi, les printemps se renient, plongés dans le murmure essoufflé des parcs en fleurs, dans des crues et marées, ils oublient leurs serments, perdent une à une les pages de leur testament. Seul ce printemps-là eut le courage de durer, de rester fidèle, de tenir toutes ses promesses. Après tant de malheureuses tentatives, envols, incantations, il voulut enfin s'établir vraiment, faire exploser à travers le monde un printemps général et définitif. Vent, ouragan d'événements, le coup d'État réussi, journée pathétique, splendide, triomphale. Je voudrais que le déroulement de mon histoire saisisse leur rythme entraînant, qu'ils prennent le pas et le ton héroïque de cette épopée, une Marseillaise printanière. Insondable est l'horoscope du printemps. Celui-ci apprend à le lire de 100 manières à la fois, cherche à l'aveuglette, s'il la bise dans tous les sens, heureux lorsqu'il réussit à déchiffrer quelque chose au milieu des supputations trompeuses des oiseaux, il lit ce texte à l'endroit et à l'envers, perdant le sens et le retrouvant, dans toutes ses versions, en des milliers d'alternatives, de trilles et de gazouillis. Son texte est tout entier composé d'ellipses, de points de suspension, tracés sur l'azur vide, et dans le creux entre les syllabes, les oiseaux glissent leurs conjectures capricieuses et leurs prévisions. C'est pourquoi mon histoire, à l'exemple de ce texte, suivra plusieurs cours ramifiés et sera tissée de traits d'union, de soupirs et de phrases inachevées. Merci. Parce qu'en fait, d'être auditeur du rythme de la lecture de quelqu'un d'autre, ça fait encore une autre, ça donne encore d'autres images avec un texte. Et en fait, ce que j'adore, c'est que tous les auteurs qu'on a évoqués, même ceux que je ne connaissais pas, qu'on se fait découvrir, mais je pense qu'il y a les personnes qui écrivent, ils sont obsédés par l'aspect métaphysique des mots, de la lecture elle-même. Et ils ont tous, à un moment dans leur vie, une espèce d'obsession comme ça avec la manière dont un texte est lu et ressenti. Et là, dans le printemps, on voit justement cette manière de délivrer le rapport à un texte. Et j'adore quand un auteur dévoile ça chez lui. Merci pour ce choix. Alors, vous parlez beaucoup du rythme, Karadane. Peut-être on peut parler un peu toutes les trois de la poésie par rapport au rythme. On parlait un peu d'André Chédid, toutes les deux, Irène Jacob, tout à l'heure. Je crois que pendant le confinement, vous avez participé à un très joli programme au Creux de l'Oreille. Je crois que c'était organisé par le Théâtre de la Colline. Mais vous étiez au téléphone, vous disiez des poèmes. Racontez-nous un peu ça. Oui, parce que Wajdi Mouhamad, qui est en plus un auteur de grand talent, et aussi le directeur du Théâtre de la Colline. Et puis, il a fait le choix, finalement, de ne pas proposer des pièces en visio, de faire d'inviter. En ce moment, il invite beaucoup pendant les répétitions des spectateurs un par un. Et là, il avait envie donc, que des comédiens, plutôt que de faire une vidéo, appellent chacun c'est une génial. Personne et font un extrait d'une demi-heure à quelqu'un oui. qu'on ne connaît pas. Donc en fait, on était peut-être 350 comédiens. Oui, et oui. puis le matin, je recevais un mail avec tel numéro, Catherine. Okay. Et donc c'était un peu un blind date. Et donc j'appelais Catherine, en disant voilà, entre 2 et 4, ça vous va oui. Et puis voilà. Et dans le premier confinement, tout le monde était chez soi. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de on ne travaillait pas autant encore.
Et voilà, donc je disais, voilà, qu'est-ce que vous voulez entendre? Alors j'avais plusieurs textes comme ça que je pouvais proposer. Et puis, il y avait des textes de Sarraute, bon, de Héribon, il y avait des textes de Daud, enfin, plusieurs choses et que je lisais. Et puis, il y avait aussi plusieurs poèmes que j'avais choisis qui me parlaient de ce moment-là. Donc ça faisait une suite de poèmes que j'introduisais, pourquoi je les avais choisis. Et puis, Kerenan, elle tenait parole, on peut dire, tous les jours sur Instagram. Et tu m'as rejoint tous les dimanches. Et voilà, parce que elle en live, passe, voilà, en direct. Voilà, des merveilleux lives chaque jour. Qui ont tellement aidé, enfin, qui ont vraiment aidé à tenir debout. Hein. Moi, ça m'a tenu debout. Mais nous aussi. C'était donnant, parce que c'est vrai que rien que le fait d'avoir un contact avec l'extérieur, de lire les lettres que les gens avaient envie de partager le soir avec leurs proches, d'avoir cette interactivité, d'avoir Irène qui venait de temps en temps dire des poèmes, et puis voilà, et de vivre un peu la musique autrement en jouant devant un écran, mais sachant que voilà, on était comme ce soir. Voilà. On est quand même ensemble. On peut être vraiment, nous, physiquement, ensemble sur la scène, déjà. Mais effectivement, de choisir un texte, si je savais que je venais voir Kerenan, rejoindre Kerenan le rendez-vous du dimanche, je me disais, tiens, qu'est-ce que je savais de quel texte je vais choisir. Alors, ça permet de faire des recherches. On est presque à la recherche d'un texte pour cette rencontre. Et puis, quelle chanson va répondre à ce texte. Oui, en fait, on a pris plaisir à se dire, parler d'un poème, parfois un poème qu'on connaissait toutes les deux, parfois que Irène me faisait découvrir, et puis ça nous emmenait à parler d'autres poèmes, d'autres choses, et on partait comme ça, et puis on essayait de trouver quelle musique pourrait aller avec, et comment parler, puis ça nous permettait de nous voir. C'est à l'écran, mais... Oui, et d'être ensemble. Est-ce qu'il y avait un petit peu d'André Chédid? Pas que je sois obsédée pour vous entendre lire André Chédid, bien sûr. Mais j'ai vu le livre tout à l'heure et j'en rêve un peu. En fait, c'est vrai qu'il y avait deux poèmes d'André Chédid, mais il y en avait un qui correspond bien à ce soir, puisque ça s'appelle « En danger de mots ». Et « En danger de mots », qu'est-ce qui se passerait? Enfin, on a besoin des mots. Hein. Qu'est-ce que ces mots nous apportent? C'était votre question, Sylvia. Et c'était la question quand on se retrouvait, soit des mots en chanson, soit des mots en poème. Mais voilà, échanger, retrouver des mots. On avait aussi collectionné des mots qui n'existent que dans certaines langues et pas dans d'autres. Mais on en parlait, en fait. Par exemple, il y a... Enfin, ça, c'est le mot qui est devenu après le mot un peu symbolique de tous ces rendez-vous. Mais par exemple, cafouné, c'est un mot brésilien qui dit passer la main dans les cheveux tendrement de quelqu'un. C'est un mot qui n'existe que dans le portugais. Comme brésilien. Des mots japonais aussi. Dans la voilà, culture beaucoup, beaucoup de mots japonais. Il y a comme ça des moments, des émotions incroyables. Un mot. Ouais. Et donc, c'était beaucoup autour des mots. Des mots qui nous reconfortaient. Qui nous relient. En danger de mots, on vous écoute, Irène. En danger de mots. À quoi servent les mots face à celui qui meurt? Ils apprivoisent l'abîme, désamorcent les peurs, ramifient la tendresse jusqu'au seuil de l'obscur. À quoi servent les mots face à celui qui vit? Ils brisent ou bien apaisent. Incendie ou délivre, il modèle nos visages, saccage ou donne ferment. Ça vous donne envie d'en écouter plein. J'étais suspendue à vos lèvres. Voilà, ces mots qui modèlent nos visages, c'est vrai, ils les saccagent ou ils donnent ferment, ils nous transforment, ces mots. Ce sont des mots physiques. Ce sont des mots qui brisent, qui apaisent. C'est vrai que le mot a une action physique, émotionnelle, énorme. On vient de le ressentir avec vous. Kerenan, quand je vous ai envoyé le questionnaire, à la question « Pourquoi lire ?», enfin, pour vous lire, c'est en un seul mot. Vous avez une réponse merveilleuse, vous m'avez dit « Le seul moyen de traverser ».
Est-ce qu'on peut rajouter quelques mots là-dessus ? Au choix. Ouais. Traverser une dure journée, traverser une belle matinée, ouais. Traverser la route quand on a du temps, traverser un nœud quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, pourquoi on a invité quelque chose dans notre vie et comment on essaye de le dénouer. Parfois, lire fait que le corps oublie ce nœud. Et donc, on lit. Et pendant qu'on lit quelque chose et on traverse, le corps dénoue tout seul. Je pense que ça, bien évidemment, on connaît le besoin de l'esprit, de la curiosité, le besoin, la soif et la faim qu'on a pour des livres qui nous font lire, mais il y a tout l'aspect de traverser, mais presque, c'est pas l'aspect méditatif, mais l'aspect de il y a quelque chose, vous arrivez sur le pont et il faut traverser le pont, mais l'eau est trouble en dessous et le pont il est un peu fragile. Avec la lecture d'un livre, vous serez déjà arrivé à l'autre bout. Et c'est pareil pour tout, je pense. Alors depuis le début de notre échange, on parle beaucoup, et depuis Soulo aussi, de prosodie, de poésie, de rythme. L'influence de la littérature dans vos chansons. Et puis, il y a la guitare là-bas, je vois que vous l'avez amenée. Alors forcément, voilà, je trépine d'impatience. Mais est-ce qu'on écoute un petit morceau, on en parle après ? Est-ce que vous nous parlez comme vous plaisir. Le sentez ? Oui, bien sûr, peut-être. Avec plaisir. Il y a bien évidemment, parfois... ne serait-ce qu'une la vision d'un auteur ou la manière dont il rassemble deux mots dans une phrase, parfois ça peut résonner et puis ça peut nous faire fait qu'on s'assoit et qu'on écrit tout un couplet ou qu'on a besoin de quelque chose de répétitif. Et bien évidemment, l'amour pour l'écriture, en fait, je pense que tout à l'heure, on parlera de certains auteurs irlandais ou d'un auteur, enfin d'un écrivain irlandais qui a fait que, enfin en tout cas pour moi, qui a fait que tout le rapport à la musique irlandaise, à l'architecture irlandaise, même à la pensée irlandaise, au rythme irlandais, fait que l'écriture de couplet-refrain, justement, cette architecture dans la narration, où on raconte sans jugement, nous permet de dire tellement de choses. Et donc, moi, j'en profite. Et parfois, je raconte des chapitres entiers dans des chansons. En tout cas, j'essaye de le faire parce que, hélas, je ne sais pas le faire dans des paragraphes. Donc, voilà. Et parfois, pour parler des mots, dire un mot avec tel accord, ça donnera un message. Et puis si on change la note ou la progression harmonique ou on change l'accord, le mot, il n'aura pas le même sens. Donc on peut aussi, chaque mot qui a un sens, en chanson, il peut avoir encore plein d'autres sens parce que son équilibre avec la note et l'harmonie et le rythme fait que le mot change. Donc on peut s'amuser, il n'y a pas de fin. C'est fabuleux tout ce que vous nous racontez, même, je pense pour les jeunes songwriters, auteurs-compositeurs qui nous écoutent, sur l'écriture, sur la musique. C'est très, très agréable, justement. J'aime beaucoup comparer ces le forme d'écriture, parce que c'est vrai qu'en musique, il y a des éléments qui se rajoutent et qui nous laissent... voilà. Et donc, on a choisi une chanson. Gonna Get Love. Voilà, qui raconte, bien évidemment, comme toute lectrice, ce qui m'intéresse... Ah non, mais restez. Non, regardez, il y a le fauteuil d'Emmanuel. Et donc, en fait, pour moi, comme, voilà, comme à la maison. Pour par exemple, pour moi, cette chanson, c'est un peu un... Je sens que j'ai appris comment aimer à travers des livres et à travers des chansons, notamment de Dylan et... de Springsteen, je pense qu'il y a plein de choses dedans qui m'ont appris à vivre. Et donc voilà, et donc après, quand on veut parler à quelqu'un directement, parfois, à
travers une chanson, c'est une bonne manière. Et c'est de la poésie. Vous parliez de Dylan, c'est un vrai sujet, mais pour lui, il est poète avant tout. Pour moi aussi, il est poète avant tout, mais après, il y a des puristes qui compareront et tout. Moi, je pense que c'est un des plus grands poètes. Ah, pareil. J'ai la même passion. Alors, ce n'est pas une chanson de Dylan, ni une chanson de... malheureusement, mais c'est une chanson à moi qu'on a dit qu'on allait faire, qui s'appelle You're Gonna Get Love. Et qui est merveilleuse. I don't know how to set ashore, nor how to set you free. But if one of us should love the other more, please let the one be me. I don't know how to make believe, nor how to make it right. But if any time you're planning to forgive, please let it be tonight. I don't really know what you're thinking of, but if you see me all right, if you give me love, you're gonna get love. I don't know how to shake you up, nor how to shake you down. But steering your half-empty cup is gonna make you drown. I don't know how to take you in, nor how to take it slow. But if you're gonna be my evil twin, you better let me go. I don't really know what you're thinking of, but if you see me all right, if you give me love, you're gonna get love. To seize the fate, know how to seize the day, but setting all our records straight ain't gonna make me stay. I don't know if I got the rock, nor if I got the roll, but if you wanna sway around the clock, I give my heart and soul. Yeah, if you want to sway around the clock, give my heart and soul. Je suis tellement triste que ce soit déjà fini. Moi, j'étais partie, là. Merci pour ce souffle rock, ça fait du bien. Bah merci de voilà, de faire cette soirée où on peut parler des choses qu'on aime, faire de la musique. Ouais. C'est très contente d'être là. Mais merci vraiment, c'était extra. J'adore. Bah, peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas si vous... Bah, peut-être qu'on peut se faire notre petit... nos petites questions que flash. Je croyais en fait qu'on faisait des signes, qu'il y a un autre invité, que j'ai pris trop de temps. Non, je me suis dit, oh là, peut-être on est, on je est... parle beaucoup. Je pense que Cynthia Fleury doit être parmi nous et viendra bientôt près de moi. Parce que parfois, je parle beaucoup. Donc non, mais c'était... non, mais avec plaisir, parce que Irène s'est éclipsée et je serais contente que vous reveniez tout à l'heure après le départ de Cynthia. Mais tant qu'on est toutes les deux, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Et j'avais envie de partager les petites questions flash de notre questionnaire lecture. Alors, c'est comme une prescription littéraire et médicale. Hein. C'est question-réponse, docteur Kerenan. Alors, le livre Pansement pour un chagrin d'amour.
Alors, moi, j'aime bien « Homme sans femme » de Murakami. Ouais. C'est dans notre période où, justement, où, on parle souvent de ce qu'est la solitude. Et en fait, il y a plein de formes de solitude. Mais il y a cette solitude d'après avoir vécu avec quelqu'un et quand la personne n'est plus là. Et donc, c'est la solitude d'un chagrin d'amour ou d'un décès, enfin, la solitude d'avoir perdu son binôme ou quelque chose. Et pour moi, c'est le récit le plus réussi de la manière dont chaque narrateur, dans chaque histoire, on parle. Je pense que chaque homme qui parle, qui raconte sa vie sans la femme en question, ça pourrait être une femme qui parle de sans l'homme en question, c'est tout individu qui parle de tout individu, homme qui parle d'homme, enfin qui parle. Il y a vraiment, c'est juste la manière de raconter cette vie, la manière de raconter la nature. Comment est-ce qu'on est seul dans la nature quand notre cœur est brisé, quand quelqu'un était dans la nature avec nous et n'y est plus. Comment on est seul dans la ville. Et chaque solitude est racontée par une autre forme de pensée. Et ça peut être un pansement. Ça peut être un pansement pour un chagrin d'amour. Peut-être pas réparer le chagrin d'amour, mais un pansement pour apaiser. « Homme sans femme » de Murakami. Le livre antidépresseur, je crois que c'est un livre important pour vous, c'est un livre clé. Oui, alors « Tender is the Night ». Beaucoup de personnes me demanderaient pourquoi c'est antidépresseur, alors qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient vraiment rendre dépressif. Et c'est peut-être justement ce côté ashkénaze dépressif qui est ancré en moi, qui a fait que ce livre n'est pas très, très... est antidépresseur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Fitzgerald, dans ce livre, le langage et le style, je conseille de le lire en anglais, enfin, même si, bien évidemment, il faut lire une bonne traduction si elle existe, mais le style et le phrasé, c'est tout le temps régénérateur, quoi. C'est tout le temps, c'est des phrases, c'est un langage d'une certaine période, d'une certaine Amérique qui se dit, qui se raconte, et on peut. Mais en fait, même dans des situations qu'on ne connaît pas forcément en Europe et qu'on découvre, on a envie d'y être. En fait, ce film, c'est un peu vivre dans un film. Le langage de Fitzgerald permet ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si, et puis l'absus révélateur, vous avez dit ce film au lieu de ce livre, donc ça montre que... Ouais, c'est ça. C'est génial. Oui. Voilà, c'est pour moi, ce livre, c'est vivre dans un film. C'est pour ça qu'il est antidépresseur. Ouais. Alors, le livre réparateur, si tant est qu'on puisse réparer. Alors, je pense toujours à Santiago dans The Old Man and the Sea de Hemingway. Je pense que la persévérance, la force, la répétition du combat avec soi, avec l'autre, la relation, tout ce qu'on... En fait, c'est une vraie relation d'amour. Et entre deux personnes, entre une personne âgée et la mère, entre une personne plus jeune et la mère, entre ceux qui regardent de l'extérieur et ceux qui veulent protéger quelqu'un. Et puis, une personne qui pourrait tout nous apprendre, je pense. The Old Man, c'est un peu notre Old Man à tous. C'est un peu notre Old Man qui est là, comme ça, et qui vient avec nous dans la vie et qui reste là. Et je crois même que c'est à la question le personnage dont vous auriez pu tomber amoureuse. Tout à fait, lui. Tout à fait. Oui, alors déjà que j'ai un amour fort pour... Ça me manque depuis le confinement. C'est les personnes, les vieux sur les bancs parisiens.
J'adore ça. Et en fait, à chaque fois, je cherche Santiago dedans, parce que je me dis, j'aimerais bien vieillir avec quelqu'un comme ça, à mes côtés. Et peut-être que le mien, il deviendra, lui, parce que je suis en train de modeler plusieurs, pour qu'il y en ait au moins un. On va refaire une soirée là-dessus, moi je veux bien. Je modèle un peu ceux que j'ai de près, pour savoir que j'ai un Santiago près de moi. Alors, Karenan, le livre qui régénère. Alors, j'ai hésité. J'aurais pu mettre La vie devant soi. J'ai mis Les mangeurs d'étoiles de Romain Gary, mais ça aurait pu être La vie devant soi. Romain Gary, oui. Oui, tout rapport avec l'appartenance, l'identité qu'il a. Enfin, vous pouvez choisir parce que ça existe pratiquement dans tous les Romain Gary. Donc, je pense que ça. C'est un livre. Je pense que Romain Gary régénère, pas seulement dans ses livres, mais dans ce qu'il dit aussi. Il a trouvé beaucoup de solutions pour moi dans ma vie. Quand j'arrivais dans des endroits et j'étais loin de la France, alors que je ne suis pas née en France, et que je sentais appartenir ici, parce que des années importantes, j'ai vécu suffisamment d'années importantes ici dans ma jeunesse pour savoir que c'est ici que je veux être et que c'est là que je veux appartenir. Et me dire qu'un jour je vais me retrouver à écrire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, que je n'ai jamais appris. Me dire que toute ma vie, une grande partie de ma vie s'est passée dans une traduction. C'est pour ça que la musique est aussi importante, parce que la traduction, elle est évidente pour moi, mais savoir de vivre dans la traduction, c'est-à-dire que de tomber sur quelqu'un, sur quelque chose qui me dit quelque chose qui a l'air beau et important, et courir, trouver dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Et toute cette appartenance, toute cette recherche d'identité, pour moi, Romain Gary, il a trouvé beaucoup de solutions. Et je le vois moi aussi sur les réseaux sociaux, dès qu'on partage une citation, un texte de Romain Gary, je pense qu'il nous apporte beaucoup à tous d'inspiration, oui, de souffle et de solutions. Le livre qui vous bouleverse, Karenan ? Alors, Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, je dis ça parce que je l'ai lu il y a très 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 longtemps. Je vivais à New York et c'était l'hiver. Et ce livre est de cette couleur-là, il a une espèce de jaune soleil. Safran. Constamment, safran, justement, voilà. C'est ça, c'est le safran et le rouge. Et en fait, les images dans ce livre et le son des voix, on entend la voix des ados, des personnes dans le livre, on les entend, on entend les voix, on entend l'accent, on voit les couleurs, c'est un livre qui est très très poétique et que j'aime offrir parce qu'il est accessible. Il se lit. Je préfère donner la forme parce que j'aime bien quand les gens découvrent le livre en lisant le livre. Donc dans la forme, c'est très très coloré, très joyeux, très ensoleillé. Et j'ai trouvé le titre aussi, Mille soleils splendides, tellement beau. C'est soleil splendide, c'est un ensemble de mots que j'utilise souvent dans mes chansons, pas seulement en français. Splendor. Et en fait, c'est vrai, c'est comme Splendor in the Grass. C'est un mot qui est très, très musical. Et je trouvais que le fait qu'il soit dans le titre du livre, il avait vraiment sa place, parce qu'on le ressent tout le long de la lecture. Il y a des soleils splendides qui se renouvellent et qui reviennent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais une fois de plus, c'est un peu ça que la vie essaie de nous apprendre, c'est comment trouver le soleil splendide pendant les traversées. Qu'on a trouvé aussi dans votre chanson tout à l'heure, Sous l'eau. Alors, le livre pour amuser la libido, regardez, je pense que on a pensé à vous, parce qu'il est surprenant, oui. Mais je vous laisse. Voilà. Bah oui, c'est vrai que j'avais répondu Ulysse de James Joyce, parce que, en fait, quand on m'a offert Ulysse, je ne m'attendais pas à être aussi fascinée. Alors, pour moi, à l'époque, c'était vraiment... Il y avait quelque chose d'érotique dans les descriptions. Je pense que quand on rentre dans les détails des lèvres, des mains, de la manière dont on pose les mains, la manière dont on découvre une peau, c'est... En fait, je pense que je l'ai appris d'abord dans les livres avant de l'avoir vécu.
Et si un jour ma fille, peut-être, qui, si elle aimerait connaître, rentrer dans la tête de certains pour savoir comment ils se ressentent le toucher, si c'est autrement, ou comment ils regardent les mouvements, si c'est autrement. Je pense que dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions, justement. Et c'est pour ça que je l'ai associé à ça. Je ne sais pas si... Mais oui, ça, c'est le livre pour amuser la libido. Je pense que Ulysse, c'est un bon... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est un livre à offrir si quelqu'un nous appelle et dit qu'il a besoin d'un livre pour ça. Amuser la libido. Voilà. Ben, merci pour tous ces mots, pour toute cette poésie, cette émotion. Ce partage. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas parlé de mon livre préféré. Je sais, je le fais. Et parce que vous m'avez dit, il y a un livre, je crois, à toutes vos questions, je pourrais le citer. Voilà. Et c'est génial, du coup, vous allez le faire. Alors, on partage le même. The Picture of Dorian Gray, pour moi, c'est le livre parfait de Oscar Wilde. Il n'y a aucune phrase dans ce livre qui n'est pas à la perfection, qui n'est pas... En fait, c'est un peu un modèle de vivre. Ouais. C'est comme un emploi, un mode d'emploi pour vivre. C'est comme toutes les chansons de Dylan, mais avant lui. Et voilà, on prend ce livre et tout y est parfait. Eh ben, merci. Moi, si vous avez envie de refaire une petite chanson avec nous tout à l'heure, je suis partante. Avec joie. Et avec Irène, peut-être, pour un poème. Je vous laisse en parler toutes les deux, mais voilà, si ça vous dit, on se revoit tout à l'heure, parce que je sais que vous nous faites le bonheur de rester. je m'apprête à recevoir Cynthia Fleury, si elle est bien là. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir. Ravi. Je ne sais pas si on m'entend. De vous rencontrer sur cette scène, parce que vous êtes une des premières artistes, personnalités, auteurs qui avait répondu à notre appel pour Reading Wild. Et c'était Francesca Mantovani qui fait toutes les photos pour notre merveilleuse expo Lecture Mon Amour. Et c'est elle qui vous a interviewé. Et on ne s'était pas rencontrés, nous, physiquement. Donc, je vous ai rencontrés par vos réponses si fortes. Et je vous le précisais quand on s'est donné ce rendez-vous, qui ont marqué et qui marquent encore. C'est un des articles entretiens les plus lus, partagés. J'en avais retenu en titre « Lire, c'est tenir debout ». Mais je crois que plus que jamais, et comme je pense, et on va en parler dans beaucoup de vos intuitions, pensées, de tout ce que vous partagez avec nous dans vos essais, vous êtes philosophe, essayiste, je n'ose pas dire la liste exacte de tout ce que vous faites. Est-ce que je peux vous demander de compléter parce que... Oh non, je pense qu'on va passer. On va passer. Je suis enseignant, chercheur et psychanalyste. En gros, c'est ça. Et moi, je vous lis avec bonheur, comme beaucoup de gens qui nous écoutent depuis de nombreuses années, Les Irremplaçables. Là, c'est Sigy la mère qui est sorti aux éditions Gallimard. Je le montre parce que c'est vraiment un livre qui a rencontré le public, qui le rencontre tous les jours, qui nous marque, qui nous porte, je pense, dans ce moment. Ben c'est difficile. Vous le ressentez ? Qu'est-ce qui se... Oui, enfin, en tout cas, j'ai souvent eu la chance de recevoir des écrits, et c'est vrai que là, ben, c'est un peu la même chose, mais de façon encore plus soutenue. Voilà, donc le livre est... Il est attrapé, chacun faisant son sillage. Donc non, c'est précieux. Moi, je publie assez, malgré tout, assez rarement, même si ça ne se voit pas. Tous les 5 ans, à peu près, voilà, je crois. Voilà, tous les 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est plus agréable que la rencontre, malgré tout, ait lieu. Parce que sinon, c'est dans 5 ans. Donc, je me dis, bon, je préfère quand même... Sinon, j'étais partie pour un 10 ans, mais après tout, pourquoi pas, hein, mais c'est mieux quand même, c'est plus simple. Bah bon, en tout cas, j'y ai creusé mon sillon, fait mon sillage, on va en reparler, mais
Mais avant, je voulais vous poser cette question, qui est quand même la question de Reading Wild, et peut-être on va vous découvrir sous un jour qu'on connaît moins. Justement, c'est Cynthia Fleury, quelle lectrice êtes-vous ? Alors, quelle lectrice je suis ? Je ne sais même pas répondre tellement à cette question, parce que donnez-moi un exemple, par exemple, de ce qu'on vous dit, normalement. Alors, par exemple, dans le moment présent, les réponses sont relatives et suivant l'émotion, parce que ça englobe, c'est vrai, beaucoup de choses. Oui. Alors, souvent, on me parle de l'attitude, du fait de lire plusieurs livres en même temps. D'accord. D'accord. Sur le modus vivendi, quoi. Oui, la manière, absolument. Le mode opératoire. Alors, moi, je lis tout le temps. Donc, je lis tout le temps, voilà. pour le travail Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est un rapport peut-être un peu différent, malgré tout, parce que c'est assez indissociable du travail. Je ne lis pas tellement pour le plaisir. Je ne fais pas tellement de choses par le plaisir. Donc, ce n'est pas non plus spécifique au livre. Ce soir, on a plaisir à vous recevoir. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est pas un chemin. C'est pas une. non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est génial. Ouais. Oui, non. Mais en plus, tout va, pour le coup, tout va très bien. Donc, c'est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas une porte. Je sais pas bien ce que je fais par plaisir. Vous voyez, je saurais pas répondre à cette question. Non, mais ça ne veut pas dire du tout que j'ai pas de plaisir par ailleurs. Dans mais c'est pas. C'est pas déclencheur. Voilà. C'est pas l'objectif. Exactement. C'est pas vous comprenez. C'est pas l'intentionnalité de départ. Alors après, en revanche, peut faire plaisir. Totalement. Il y a plein de choses. Voilà. Pour que je rassure et moi-même, voilà, c'est un point d'arrivée sans souci, mais c'est absolument pas une intentionnalité chez moi. Voilà, donc les livres, non, quoi. Par exemple, c'est terrible, j'écoutais Kerenan, c'était merveilleux, la musique et tout ça, et puis il y a eu ce moment sur les livres. Vous avez donné comme ça. Les petites questions. J'ai pourvu que cette chose ne me tombe pas dessus, parce que moi, je ne peux pas lire un livre pour quelque chose, à part pour lui-même. Si vous voulez, il y a des livres qui réparent, il y a des livres qui. Je serais incapable de. Voilà, un livre, ça se lit pour lui, quoi. On lit un livre parce qu'on veut lire Joyce, on veut lire. Vous voyez, on va directement. À l'endroit, quoi. Ben bon, moi, voilà la lectrice que je suis. Ben voilà, vous me demandiez, c'est toujours merveilleux d'écouter les réponses. Je pensais pas qu'on parlerait du plaisir ensemble, mais donc voilà, les livres, c'est vrai que c'est tout le temps. En même temps, je pensais que je suis quelqu'un qui écoute très peu de musique, voire qui n'écoute pas de musique. Et je fais toujours je vois que chez ceux qui aiment la musique, j'aime la musique, mais je n'arrive pas à l'écouter. Et je vois que ça crée un sentiment comme ça de désespérance chez ceux qui écoutent de la musique en me regardant en disant mais pauvre toi qui ne peut pas qui ne peut pas accéder. Et je comprends ça parce que je ressens ça. Pour la lecture. Ceux qui n'arrivent pas à lire, je comprends. Tout immédiatement, j'ai envie de dire, Dieu, pauvre toi. Mais pas du tout par mépris, hein, mais c'est aride. C'est aride de pas savoir lire. Donc je vois très bien et pourtant moi, et de l'autre côté, je vois absolument comment ça tombe comme un vêtement mal fait sur la personne en disant « mais non, ça va très bien, merci ». Et de fait, moi, par exemple, par rapport à la musique, ça va très bien, merci, quoi. J'ai juste besoin de silence. Donc, c'est bizarre, ça. Vous voyez ce hiatus-là. Alors que ça me dépasse d'une certaine manière qu'on ne puisse pas lire, qu'on ne sache pas lire, qu'on n'ait pas envie de lire. C'est quelque chose qui... C'est comme si on ne voulait pas marcher, vous voyez, j'ai du mal d'emblée, alors que non, il y a plein de manières aujourd'hui d'entrer en,
en résonance, en culture, avec le style, etc. Donc je dois être assez... je sais pas, il doit y avoir un petit côté vieillot chez moi. Ça rentre par là, quoi. Je sais pas. Mais vous utilisiez ce verbe accéder à la musique. Je veux pas accéder. C'est-à-dire que pour vous, vous avez conscience de ce que vous pourriez. Ah oui, bien évidemment. Heureusement, ce serait mais tragique. Alors, selon vous, ça jamais la musique jamais même. Non, enfant, oui. C'était lié à l'enfance, c'était lié... je pense que c'est un problème de sensorialité, je pense que c'est un problème d'émotion, que c'est trop... c'est trop, vous voyez, c'est trop. C'est trop... voilà, c'est ça... c'est, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de la poésie. Oui. Et je ne sais plus qui, d'Irène Jacob, de Karenan, a dit il faut entendre, ou quelqu'un a lu le texte. Il faut entendre. Irène nous a beaucoup parlé. Voilà, de l'oralité, oui. de la nécessité de l'oralité. Tout ça, ce sont des choses que je comprends bien évidemment parfaitement, oui. Mais qui me dépassent. C'est-à-dire que je trouve ça terrible, moi, les gens qui lisent à haute voix. C'est vrai, hein, c'est terrible. Ça me fait mal à la tête. Et parce que vous avez peut-être votre voix intérieure, tout simplement, le rapport au non, texte même qui pas, vous est... même pas, parce que je ne m'entends pas, donc non. non, je serais... Et la chose qui est la pire, c'est les gens qui lisent des poèmes, quoi. Ça, c'est terrible. Pour ceux qui aiment la poésie, c'est terrible. C'est très dur, en tout cas, pour moi, c'est très dur. Et pourtant, je comprends ce qu'ils disent, vous voyez. Je comprends. Donc, c'est... c'est... voilà. Bon, je pensais, c'est pas le mot du tout, mais je vous ai entendu dans une interview par rapport à la mémoire en disant que c'était votre pathologie. Et j'associais, mais ça ne l'est pas du tout. Mais, Vous voulez dire que je ne me souvienne de rien ? Oui. C'est lié à... Non, mais c'est peut-être pas faux. C'est lié peut-être à... Oui. Je ne sais pas répondre. Mais ça m'a frappé quand j'ai entendu ça. Mais c'est très flagrant et ça ne s'arrange pas. Et de toute enfance, du temps récent, du temps passé c'est... Là, il n'y a pas effectivement de... Comment on appelle ça de discrimination. Quoi. Ouais. C'est à partir d'hier. En plus, à partir d'hier, ça commence à être flou. Alors, non, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça. Je pense que ça doit être un mécanisme hein, pareil. Je pense que ça a à voir avec l'émotion. Ça a à voir avec quelque chose qui est laissé derrière soi, qui prend trop de place, qui est trop lourd. Donc, je pense que quand on aime voyager léger, c'est... Puis sans doute que la mémoire, elle, de toute façon, la mémoire, elle se met partout. Hein, donc, elle n'a pas tellement besoin de nous. Ça, c'est une chose intéressante, d'ailleurs, en psychanalyse. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'aider l'inconscient, vous voyez, ça marche tout seul, quoi. Vous voyez, donc c'est récipiendaire, ça reçoit, c'est là, quoi. C'est un disque dur, inaltérable. Donc moi, je me dis que l'inconscient fait ce job-là, quoi. J'ai pas tellement besoin d'en rajouter. De vous en charger. Voilà, j'ai pas besoin d'aller rajouter par la conscience ce que fait l'inconscient. Par rapport à la lecture et au premier moment de lecture, vous avez quand même quelques souvenirs, je le oui, sais. Oui, bien sûr, mais surtout que j'ai relu l'entretien. Bah oui, comme une... je me suis dit, mon Dieu. Donc, c'était, je ne sais plus, c'était quoi. Il y a l'air de rien, il y a un certain temps. Hein. Oui, c'était en 2015. Voilà, donc en 2015, donc j'ai relu un peu, oui. Mais comme je vous vois, la pensée était déjà là et je pense que tout ce qu'on va pouvoir se dire ce soir sera exactement... au même endroit. Mais j'espère, parce que sinon... Non, mais oui, je j'espère, parce que... Je l'ai imprimé. Non, je plaisante. Oui, genre, pour vérifier si j'ai bien... Non, a priori, j'ai dit la vérité, donc logiquement, je devrais retrouver le chemin. Oui, tout simplement, vous avez parlé justement de la lecture à laquelle vous n'avez pas accédé, ou en tout cas peut-être par les fictions qu'on fait lire quand on est plus petit, quand on a 7 ans. Je crois que votre maman, vous avez pourtant constitué une bibliothèque, j'ai trouvé ça fabuleux. Oui, c'était un acte merveilleux de sa part. Elle constituait cette bibliothèque
avec des livres absolument splendides, des grands titres, voilà. Et donc j'étais très très attachée à la constitution de cette bibliothèque, mais l'idée d'ouvrir un livre, non, c'était pas nécessaire. Et donc et puis je vous dis, c'était une époque. Alors on n'était pas du tout dans la littérature jeunesse d'aujourd'hui, qui est une littérature quand même beaucoup plus. Enfin, j'imagine. Enfin, en même temps, je dis ça et en même temps, c'est pas tout à fait vrai. La littérature jeunesse, elle est foisonnante en termes de diversification, tout ça. Mais quand je lis pour voir éventuellement ce que je peux offrir moi en littérature jeunesse à mon fils, je m'arrête en fait, j'y arrive pas non plus, donc je préfère aller directement à des textes qui sont pas hors sol. Ça, j'avais dû dire ça. Oui, absolument. Que c'était un. Et oui, non, non, ça je me souviens très très bien parce que les petits camarades lisaient des vrais livres, ouais. Et donc j'étais un peu la honte. Vous voyez, enfin, pas la honte, non, on se calme, mais vous voyez, quand même, s'il y avait un petit côté, incapable de lire des vrais livres qui, pour moi, n'en étaient pas, quand c'est même. C'est ce que j'allais dire, hein. C'était de donc votre côté, c'était simplement. Voilà, ce qui, pour moi. Mais soyons honnêtes. À l'époque, je croyais que c'était des vrais livres quand même. Donc, j'étais pas là en train de dire ce n'est pas un vrai livre. Non, non, je la ramenais pas trop et je disais oh là là, mon Dieu, comment elle fait, mon Dieu, oh là là. Je me souviens, j'avais une camarade qui lisait mais des trucs et tout, avec des histoires de petites filles, de machins, de copains, de copines, oui, qui se perdaient, qui se retrouvaient. Je disais comment. Et je la voyais passionnée de trucs et. Je me dis, mais comment je vais faire, quoi ? Si c'est que ça, les livres, je vais mourir, quoi. Je ne vais pas y arriver. Et c'était un problème, parce que je sentais quand même que j'étais dans une maison où ce n'était pas possible, quoi, de ne pas aimer les livres. Mais je me disais, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas être aussi... les parents, ils ne peuvent pas être débiles, ce n'est pas possible. Je l'aurais remarqué. Et donc, je me disais, forcément, il doit y avoir autre chose. Et donc très très vite, je suis allée voir ces autres livres qui étaient, et je vous avais raconté, oui, que l'une des collections, c'est peut-être d'ailleurs la seule fois où j'ai fonctionné par la collection. Après, j'ai fonctionné directement par les auteurs, mais la seule fois où j'ai fonctionné par la collection, c'est Enfants, et par la collection internationale de Stock. La Rose. La Rose, qui est extraordinaire. Mais comment vous l'avez attrapé, cette collection ? Parce que ça, vous avez 12-13 ans. C'est... Ah oui, non, j'étais même plus petite. J'étais donc 10, j'avais 11 ans. 11 ans. Comment ça n'arrive pas à vous ? Je pense que vous allez le chercher, mais pourquoi ? Comment ? Parce que c'était, véritablement, c'était la bibliothèque constituée malgré tout par ma mère. Par votre maman. Je pense que c'était par là. Et que donc c'était des livres qu'elle lisait, qu'elle connaissait. Elle avait aussi une très grande passion pour quantité d'ouvrages, mais notamment des auteurs étrangers. Et donc j'étais rentrée par là. Tout à l'heure aussi, on a parlé du style. C'était des ouvrages qui précisément faisait la part belle au style. Donc, et ça, c'est vrai que je le dis à tous ceux qui ont envie de découvrir des auteurs étrangers. Vous rentrez, il y a Schnitzler, il y a Turgenev, il y a Kawabata, il y a Mishima, il y a, que sais-je, Tolstoy. Enfin, il y a vraiment toutes les... Bien évidemment, il y a les Américains, il y a James. J'adorais Henry James. Il y avait Vita Sackville-Jones. J'avais envie qu'on en parle un peu. Oui, parce oui, que bah c'est un de mes auteurs. C'était un de mes auteurs préférés quand j'étais jeune lectrice. Vita Sackville-West. Oui, j'ai lu tout. Enfin, de toute façon, très souvent, j'ai lu beaucoup de. Comment vous appelez ça l'ensemble de l'œuvre d'un auteur,
souvent je fais ça, je pense que c'est commun à beaucoup, de tout d'un coup d'attraper, d'entrer et puis de hop, d'attraper tout le corps, enfin pas toute l'œuvre. Et Sackville-West, oui, j'ai tout lu. Oui. Et puis j'ai lu bien évidemment les copines, puisque tant que les copines, c'est Violette Tréfusis, et puis c'est Virginia Woolf. Virginia Woolf, ça c'est une auteure qui vous a passionné aussi ou... Oui, passionné, c'est pas le mot, mais oui, c'était un grand bonheur de découvrir ces femmes, ces vies, parce que s'il y a beaucoup de correspondances, il y a beaucoup de lettres écrites entre elles. Que ce soit entre Violette et Vita et Virginia, enfin plutôt Virginia et Vita d'ailleurs. Donc ça, j'ai lu aussi les correspondances. Et puis j'ai lu ce livre que j'ai trouvé absolument génial, qui est sans doute le premier livre que j'ai lu. Non, le premier livre que j'ai lu, c'est Le Renard. Oui, de Diane Schlange. Voilà, donc de David Herbert Lawrence. Qui est un livre alors que j'ai choisi, ne nous mentons pas, parce qu'il est petit. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je vois que mon fils fait strictement pareil. On a choisi des livres, donc une vingtaine comme ça de livres ensemble. Et je savais presque à l'avance, puis j'ai choisi le plus petit, tout en me vendant le truc. En me disant, non, je veux absolument commencer par Dickens, bien sûr. Et c'est le plus. Il tient à peine debout. Je dis, c'est vrai que c'était dur de faire plus petit. Il doit y avoir 3 chapitres. C'est La vie de Jésus-Christ par Charles Dickens. Donc, c'est pas son premier livre, mais c'est son deuxième. Il a quel âge, votre fils ? Quand il a commencé à lire à peu près, il devait avoir 9 ans, quoi. Donc. Et puis La Métamorphose de Kafka qu'il a lu, qu'il a aimé, La Peau de Chagrin. Donc il est bien. Donc moi j'ai lu ce texte, Le Renard de David Herbert Lawrence, qui raconte une histoire il y a une espèce de translation comme ça, deux femmes. On est au sortir de la Première Guerre mondiale. Et puis, un jeune homme arrive, c'est un soldat, c'est un déserteur, on ne sait pas bien. Et puis, il va totalement bouleverser la vie de ces femmes en produisant du désir. Et donc, il y a un jeu comme ça de désir entre une femme qui désire une autre femme et puis cet homme qui active le désir de cette femme. Enfin, bref, c'est ce jeu-là. Et puis, c'est vraiment un livre très... un petit exercice de style, quoi. Donc ça, voilà. Mais le livre que j'ai vraiment aimé... c'était celui de portrait d'un mariage de Vita Sackville-West, mais en fait de son fils, Nigel Nicholson. Et c'est une écriture à deux mains qui se fait par-delà la mort, puisqu'il récupère un journal de sa mère et il va écrire sur ce journal de sa mère. Et donc on a les deux textes qui sont accolés. Et c'est le fils qui découvre sa mère tout en la connaissant, mais en ayant accès à des écritures qui sont bien plus intimes, qui comprend le rapport de sa mère à tout, à l'écriture, à la liberté, aux femmes, à son père, Harold Nicholson. C'est tout le regard absolument admiratif et terriblement aimant de cet enfant pour sa mère, qui comprend. Et ça, c'est assez merveilleux, je trouve. C'est assez bien montré qu'il comprend qu'est-ce que c'est que la liberté d'une femme. C'est une chose un peu pas simple, surtout dans les années 20, 30, etc. Il est happé par cela, alors qu'il pourrait être scandalisé, il pourrait être un imbécile.
Et au contraire, il comprend le besoin infini de sa mère pour la liberté, pour l'écriture. Et donc ça, c'est ça aussi. Je pense que ça m'avait profondément touchée de voir cette relation de parentalité au travers de l'écriture. Et donc ce livre m'a été très très important, oui. Portrait d'un mariage, un livre que à l'époque j'avais trouvé. Et là j'étais un tout petit peu plus âgée, là, je vais avoir 12 ans. Et je l'avais lu, je me souviens effectivement, En version bilingue. Mais surtout en version maternelle surtout. C'est-à-dire que j'avais ma chère mère qui lisait. En même temps. Qui lisait, oui. Alors donc c'était compliqué parce qu'on n'y avait qu'un livre, alors donc il fallait le. Ah oui. Il fallait le récupérer. Et vous en parliez ensemble ? Je ne sais plus, sans doute, mais je me souviens plus. Dans votre ouvrage Stygie la mer, vous évoquez Rilke à un moment et Emmanuel Neblet, qui est avec nous tout au long de la soirée, nous offre des textes et j'avais envie qu'on en écoute. C'est ton tour. Oui, t'étais capable. Sûr. Tant pis, on avait préparé l'émission, on le fait. Et je propose, c'est la 8e élégie. Et on parlera après, parce que Cynthia, dans votre livre, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous placiez très très haut quand même la littérature et la poésie. Et on va en reparler après, donc, sur ce que ça génère chez vous, ce sentiment esthétique, mais on t'écoute, Emmanuel. Tous les yeux de tout ce qui vit voient dans l'ouvert. Seuls nos yeux sont comme retournés, posés autour de tout comme des pièges, scellant toute ouverture. Ce qui se tient dehors ne nous est donné qu'à travers le regard des bêtes. Car déjà le tout jeune enfant, nous le retournons et nous le forçons à regarder derrière, dans le reflet, non dans l'ouvert, qui demeure si profond dans le visage des bêtes libres de mort. Nous ne voyons qu'elle. La bête libre a toujours son déclin derrière elle et devant elle, Dieu. Et lorsqu'elle va, elle va dans l'éternité comme vont les fontaines. Nous n'avons jamais, pas un seul jour, le pur espace devant nous où les fleurs sans fin s'épanouissent. C'est toujours le monde, et jamais le nulle part, sans néant, le pur, vierge de tout regard, que l'on respire et sait infiniment, et sans vouloir le posséder. Un enfant soudain s'y retrouve perdu, en silence, et en est bouleversé. Alors, je dédicace cette lecture spécialement pour ceux qui nous écoutent dans leur salon. Cynthia, c'était pas trop long. Je suis désolée, je suis confuse parce que je savais pas. Je suis désolée, je l'aurais pas dit. Mais je comprends en plus. C'est une grande question. Est-ce que la poésie est faite pour être lue? Et en général. Non, mais en plus, ce qui est très bien, c'est que voilà, ça existe. Donc c'est très bien que ça existe aussi comme ça. C'est vrai que la lecture à voix haute permet à beaucoup d'accéder au texte, de l'entendre, et ça fait vivre les livres et la lecture. Et merci Emmanuel pour cette belle lecture. Rilke, justement, et je le disais vraiment dans votre livre, on y trouve chacun son sillon, son sillage, vous le disiez, et moi j'y ai trouvé celui aussi de cet amour au-dessus de tout. Vous placez très haut, en tout cas, la littérature et la poésie. Je voulais que vous nous expliquiez ça. Oui, je pense, si vous voulez, que la littérature, c'est l'art majeur. Oui, je pense que c'est un art majeur. Et tout simplement, mais c'est pas un problème, si vous voulez, de hiérarchie. Après, c'est un problème de mais c'est une proposition
de synthèse du monde qui n'a pas le mauvais goût, si vous voulez, de la synthèse philosophique. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que il y a des passages assez, il y a des pages comme ça de Blanchot là-dessus, drôles, et qui expliquent, voilà, la catastrophe du roman à thèse. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la difficulté dans un ouvrage de philosophie, c'est que malgré tout vous cherchez pas, mais un petit peu. Il faut pas avoir raison, mais vous voyez, c'est grossier quand même comme point de départ, cette idée de un livre produit une synthèse sans le vouloir, tout est juste, si vous voulez, d'emblée dans un livre, ce qui est pas du tout le cas dans un livre de philosophie qui va être à des endroits insuffisants. C'est toute la différence entre une argumentation et puis quelque chose qui certes ne s'oblige pas à l'argumentation, mais qui de toute façon est une combinatoire. Donc si vous voulez, combinatoire, c'est immense. Donc c'est ça qu'il y a de fort dans un livre. Alors c'est sans doute un peu le cas aussi en philo. Il y a des auteurs qui sont, de fait, il y a la philosophie, c'est aussi extraordinaire. Mais c'est vrai que le livre d'emblée produit du sens sans produire de système. Et ça, c'est quand même supérieur. La tentation pour vous de la fiction, je crois que vous écrivez 16 000 signes par jour quand même, ça m'a... Oui, oui, mais donc, non. La tentation, je ne crois pas. On verra, mais non, a priori, non. Alors, dans ces moments qu'on a vécu un peu particuliers de confinement et de crise sanitaire, et qu'on vit encore, d'isolement, est-ce que les livres peuvent nous aider justement à tenir debout ? Tout peut aider à tenir debout, donc... Il y a eu quand même pour beaucoup la redécouverte des livres, etc. En tout cas, pas la redécouverte, mais c'est vrai que il y a eu quand même ce sentiment tout d'un coup d'essentiel. D'essentiel. Et puis du temps, oui. Malgré tout, parce que l'expérience du confinement, ça a été aussi l'expérience d'une temporalité. Oui. Pas simple. Du tout, parce que faut-il encore qu'il puisse avoir ce luxe-là d'une temporalité un peu préservée. Mais pour ceux qui ont eu cette possibilité-là, c'est vrai que ça leur a permis de produire une adéquation possible avec cet épisode particulier que nous sommes en train de vivre, cet événement. Donc, les livres permettent, si vous voulez, tout simplement d'être au monde, d'être en présence des choses. C'est dans votre livre, Si j'ai la mer, vous dites produire une présence au monde alors que la réalité sociale du moment nous en empêche. Oui, c'est quand même ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas du tout... Alors après, il y a mille façons, hein, mais vous pouvez considérer que les livres sont des échappatoires. Oui. Je pense que c'est précisément l'inverse. Mais encore une fois, c'est pas définitif. Hein, ce que je dis là n'est pas du tout exclusif, plutôt. Dans Si j'ai la mer, où vous formulez, vous mettez sous nos yeux ce ressentiment, il y a un petit détour par Sioran, même un beau détour, et vous dites, j'ai toujours pensé que la littérature, l'art, le génie des humanités restaient une porte possible pour tous ceux qui éprouvent l'amertume qu'il y avait là dans l'expérience esthétique, une possible échappée. Oui, c'est-à-dire que je
pense avoir toujours fait la différence entre la réalité et puis le réel. Le réel au sens de puissance d'émergence, le réel au sens de ce qui arrive, et donc qui n'est pas nécessairement anticipé, intuitionné ou que sais-je, ce qui éventuellement vient fracasser et qui n'est pas... Bon, voilà, donc il y a tout ça. Ce n'est pas que la question de l'imprévu, c'est la question du possible, c'est la question du vaste, c'est la question de l'ouvert qu'on a chez Rilke. Donc, ça, c'est le réel. Donc, et c'est la part à la fois très politique de la littérature et en même temps la part non fantaisiste de la littérature, c'est-à-dire très réelle. Voilà. C'est-à-dire que, et non pas dans la fiction, au sens où on pourrait penser que ça produit du faux. Bon, on le sait, c'est des litanies hein, que je dis là, mais c'est vrai que la réalité sociale, en lumière d'une manière la réalité sociale, ne nous mentons pas, est très très peu littéraire. Oui. Bon, voilà, elle est codée, elle est petite. Donc la littérature, c'est une manière d'ouvrir les choses. Donc c'est vrai que c'est merveilleux d'avoir des instruments, des clés au sens vraiment littéral du terme, qui nous permettent d'ouvrir des portes, toutes portes. Donc ça, je trouve que c'est là où je peux avoir vraiment beaucoup de compassion pour parce que je me dis mince, cette personne a moins de clés, tout simplement. Dans votre ouvrage, j'ai été aussi. C'est la notion des expériences dissolvantes quand vous parlez de Fanon. Chez Fanon, oui. Qui m'a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous formuler ce que vous mettez dans ces expériences dissolvantes et peut-être où se place dans la continuité de ce qu'on se dit la littérature par rapport à ça? Non, mais c'est vrai que c'est posé à un moment donné par Frantz Fanon, qui est donc le psychiatre, le penseur, l'écrivain qu'on connaît. Enfin, que je découvre vraiment grâce à vous. Ça m'a donné très, très envie de me plonger. C'est une écriture, c'est une très belle écriture. C'est une vie douloureuse, une vie compliquée. Comme ça, à la jonction d'un certain type de militance, en même temps du soin, parce que c'est un psychiatre, et donc de l'obligation de soigner. Et de cette obligation de soigner avec toute l'ambivalence que c'est de soigner dans un territoire colonial. Et ce qui est une impossibilité, en fait, puisque l'institution est coloniale. Donc, pour le colonisé, ça n'a pas de sens de se faire soigner par le colonial. Donc, et vous êtes pris au piège de cela. Donc, je pense que dans l'écriture de Fanon, il y a aussi une tentative de s'extraire de ça, de trouver un autre territoire. Un territoire qui n'est pas la décolonisation de l'être dont vous parlez. Par ailleurs, voilà. Et donc il va travailler à faire surgir cette décolonisation de l'être et à rappeler que il y a tout un travail là-dessus. Et puis les expériences dissolvantes, oui, c'est tout ce qui vient réduire à néant le sujet. Alors soit par la force, par la brutalité, par la barbarie, soit par, on peut l'ouvrir à d'autres choses, par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des camisoles de jouissance, c'est-à-dire par des produits culturels un peu avariés, mais après tout, voilà, on les consomme. Vous placez les écrans dans ces... Oui, un petit peu. En même temps, moi, c'est terrible parce que dans les écrans, il y a heureusement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a une problématique de focalisation triste, enfin de focalisation justement de foreclosion, quoi, de fermeture. Donc, il faut faire régulièrement attention de pas se faire attraper par ce côté-là. Oui, on parle beaucoup de bulles cognitives, mais en tout cas d'être enfermé. Voilà. Ce que en même temps, moi, je veux pas, parce que je suis une grande à la fois technophile et puis
je vois bien qu'il y a, quantité de découvertes possibles. Donc, dès qu'on rentre dans le web de façon un peu rhizomique, comme ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On fait des découvertes absolument majeures. Et puis, c'est un univers encyclopédique. Et pour le coup, c'est... On lit énormément hein, sur le web. Et c'est ce que vous disiez sur le système. On va vraiment d'un texte à l'autre aussi, d'une découverte exactement, à l'autre en un clic. Voilà, par des liens comme ça, un petit peu, qui des hyperliens, comme on dit. Donc tout ça, c'est quand même malgré tout très, 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 très riche. Hein. Donc si on peut produire, je dirais, de la géométrie un peu existante, c'est-à-dire tout d'un coup un peu du 3D à l'intérieur des textes parce que précisément il y a ces hyperliens, c'est quand même très très ingénieux, ça j'aime bien faire ça. Et puis surtout je vois que ça marche bien avec les jeunes gens, avec les enfants, avec les adolescents, ça marche bien tout court comme si la littérature tout d'un coup était l'architecture qu'elle est depuis tout le temps, mais c'est vrai que la matérialité du net malgré tout tout l'univers algorithmique produit un rapport à la lecture très intéressant en termes d'incorporation. Et vous parlez d'ouverture, ça ouvre effectivement. Oui, tout d'un coup, c'est un autre type d'ouverture. C'est plus labyrinthique, c'est plutôt les escaliers, quoi. C'est arborescent, tout ça. Mais c'est vrai que ça a un côté très sympathique. Alors, c'est un peu catacombe, vous voyez. Donc ça, c'est vrai que c'est dès qu'on. Moi, je travaille beaucoup. Avec les étudiants, ils sont plus âgés, les miens, mais quand même, très souvent, on fait des exercices comme ça. On va partir d'un texte, deux textes, trois textes, et puis, par les hyperliens, on va produire une cartographie, et c'est assez chouette. Ça donne des espèces de dispositifs mentaux, comme ça, très, très rigolos. Alors, Cynthia, je n'avais pas prévu de terminer par le questionnaire, mais je voulais vous demander de lire une page que j'avais particulièrement aimée dans votre livre. Alors, je suis embêtée, je peux vous demander quand même. Ah oui, parce que c'est moi qui vais lire. très bien. C'est la lecture à voix haute. L'humiliation tombera sur moi. Mais par vous-même. Nous, on vous écoute. J'avais mis le petit symbole. C'est autour des vers. Voilà, si j'ai la mer, c'est l'océanique. Ouais, et juste ici, absolument. Ici. Ah non, si j'ai la mer envoyée. Voilà, et vous pouvez tourner la page jusqu'à Heidegger, éventuellement. Alors, merci. Si j'ai la mer envoyée à cette océanique-là, inaugurale et terminale, sur lequel naviguent les âmes en quête d'elles-mêmes. Et c'est vers d'Hölderlin qui résonne. La mer enlève et rend la mémoire, l'amour de ses yeux jamais là, fixe et contemple, mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. C'est ça ? C'est ça. C'est bien parce que là, j'ai lu Hölderlin, donc j'étais peinarde. les poètes seuls fondent ce qui demeure. Oui, quand même. Ça me rappelle quelque chose qui est dans un texte de Périclès. C'est un discours de Périclès, mais qui est dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, et qui est un texte très connu, qui est la louange aux morts de Périclès, qui est un texte vraiment que je vous invite à lire ou à relire, qui explique ce qu'est la démocratie athénienne, et notamment son honneur, sa spécificité, son rapport aux morts, etc. Bon, c'est vraiment un texte très, très intéressant pour expliquer tout court ce qu'est la tentative de la démocratie. Et à un moment donné, Périclès qui dit comme ça, d'une certaine manière, que la sépulture des hommes, la vraie sépulture des hommes, c'est la parole. Et que c'est pas dit comme ça, mais et qu'en fait il dit j'ai peur par mon manque d'éloquence, mon éloquence un peu comme ça, j'ai peur de leur
de ne pas être à la hauteur de leur bravoure, de tout ce que la cité leur doit, parce que je sais que la parole, c'est véritablement la vraie sépulture. Donc, ça fait écho un peu à cela, autrement. Eh ben, merci beaucoup, Cynthia Fleury. Merci. J'étais heureuse de vous retrouver en vrai. Donc, rendez-vous dans 5 ans. Exactement. Mais là, on ne pourra pas refaire le 1. Hein. On trouvera quand même un inédit. Absolument. Bon, on a dit des choses inédites. D'accord. Eh ben, merci, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous laisse filer. Emmanuel, on a un beau texte à lire. Tu nous en parles du... On attend que Cynthia soit sortie. Je plaisante. Non, mais pour qu'elle ne l'entende pas. Et on va lire un beau texte. Il y a Sylvia qui doit être là, qui peut me rejoindre, peut-être. Et c'est un très joli texte, extrait d'une anthologie qui va apparaître dans quelques jours aux éditions du Castor Astral, qui interroge le désir, qui sera le thème du printemps des poètes. Et on a choisi un texte d'Éric Sarner. Il y en a 94, parce que la poésie, c'est une affaire... Bonsoir, Sylvia. C'est une affaire aussi contemporaine. Et donc, 94 textes, Marie Modiano, Joseph Pontus, Éric Sarner. On t'écoute, Emmanuel. Il s'appelle « Ce qui nous arrive ». J'en ai vu qui pliaient au désastre, chair et tête, mais moi non plus, je ne laisserai pas mon cigare de Virginie s'éteindre par amertume. N'empêche, c'est le règne du repli et des loups. Les bassines de cuivre à laver les regrets sont devenues inabordables. Vous chantonnez seul pour avoir moins peur, et moi aussi, je fredonne. Plus possible de se tenir par le bras, séparés, enveloppés comme nous sommes, dans les graphiques, courbes et grilles, schémas des flux. Il nous est arrivé quelque chose. Ça se serait glissé comme un rapace au milieu du dernier clair de lune, mais c'est plus simple encore, et plus sorcier. Il nous est arrivé quelque chose. Notre épuisement irréfragable a dû aider. Vers le 21 mars, j'ai su qu'Anna venait d'arriver à Addis Abeba. Le jour même, l'Éthiopie signala son premier cas de Covid-19. Le lendemain, Anna rejoignait le site où les restes fossiles venaient d'être mis à jour d'un australopithèque de 4,2 millions d'années, un ancêtre de Lucie, plus avancé qu'elle d'un million d'années. Dans l'après-midi, une féroce tempête de sable se leva. Elle venait du passé, fatalement, écrivait Anna. La même semaine, Madeleine a pris sa bicyclette au sous-sol de son immeuble de Brooklyn. Par Queensborough Bridge, elle est remontée jusqu'en haut de Manhattan en longeant l'Upper East Side. Elle a rencontré peu de monde sur sa route. Quant aux baies vitrées qui splendidement donnent sur l'East River, elles étaient, me dit-elle, inutilement vides. À Londres, Yann, septuagénaire taquin, a pesté contre la rareté du papier toilette, presque égal, on aurait dit, à la pénurie de 1944. Cependant que sur les balcons italiens, les séquestrés, comme Yann aimait les nommer, chantaient du Puccini à leurs co-détenus et à tue-tête. De Copenhague, Elisa m'a avoué que cuisiner était la seule activité où elle se sentait normale ces temps-ci. Curry, volaille, côte de porc, tranche de thon, elle concédait aussi, c'est vrai qu'on mange trop. La preuve, j'écris la bouche pleine, ajouta-t-elle, sans savoir pourquoi. Vanessa Barbara, à Sao Paulo, m'a confirmé que sa fille allait bien et que, grâce à Dieu, sa meilleure amie, à la crèche, était sur le chemin de la guérison. Personne ne savait de quoi la petite avait guéri, mais elle s'était remise au piano. Yanis, d'Athènes, m'a conté que sa belle-mère, 88 ans, avait décidé, comme par préscience, d'aller se faire coiffer en ville la veille, même du bouclage des salons de coiffure sur tout le territoire et jusqu'à nouvel ordre. Au même moment, d'Afrique du Sud, Marc me transféra un tweet, l'image d'une file interminable de gens attendant devant une station de taxi de Bree Street à Johannesburg, qu'un véhicule les ramène vers Soweto ou quelque autre township. Marc expliqua que le président du pays hurlait à la catastrophe, mais que dans les townships, nombre de personnes traitaient le Covid de maladie de riches. Il y a bien du silence, mais un silence de guerre. Il nous en faudra un
inouïe, qui s'écoute comme une note ou un geste. Le temps même n'a pas été le même ces temps-ci, n'est-ce pas ? Des convulsions telles que l'esprit ou les nerfs peuvent les percevoir sans les savoir. Théorie de secousse où les corps s'épuisent. On voit bien ce qui sépare, qui suspend les gens, la parole aussi, et l'écoute. Les Grecs appelaient anagdiégésis l'absence de récit, l'impossibilité de compter, comme une défaite du sens, du dire. Combien on se sent loin du monde, vous avez vu ? Pourtant, sans plus de certitude que jamais, pendant que courent en ville cerfs, renards, chèvres des montagnes, monte l'odeur d'un air frais sans poison. Des nuages passent au-dessus des têtes sans impatience. L'ordinaire prend des airs rares, c'est sans doute qu'on ne le voyait plus. Des fourmis ouvragent le long d'un tronc d'arbre. Sur un balcon, un vieil homme sans sommeil, comme s'il avait trouvé la vérité. Plus lent, nous scrutons les choses, prêts presque à en faire l'inventaire, à comprendre ce qui les réunit, ce qui les disperse. Un tel a écrit un livre entier sur un zeste de citron. On peut regarder longtemps un citron sans le voir. Il paraît que l'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Prendre souci des voix, rencontres, coïncidences. Dans la rue, nous marchons d'une autre façon. Peut-être danserons-nous autrement dans le temps et l'espace, avec d'autres mouvements, une autre immobilité. Il faudrait chanter le besoin d'incalculable, la beauté vive. J'ai aspiré, moi, une longue goulée de silence et j'ai écrit cela pour tâcher de l'entendre mieux. Éric Sarner, septembre 2020. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors Sylvia Whitman, bonsoir. Bonsoir Sylvia. Merci d'être là. Tu t'occupes de la librairie Shakespeare & Co. C'est ton lieu, c'est ton histoire. C'est ce qu'on t'a transmis aussi. C'est un lieu magnifique. J'avais très envie, pour cette nuit de la lecture, qu'on puisse aussi évoquer ton métier, le métier de libraire. Ce qu'a pu être ce moment, justement, on vient d'entendre un très beau texte sur ce moment qu'on a tous partagé de Covid, de crise sanitaire. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et on en a beaucoup parlé. Je sais que toi, voilà, ça a aussi changé des choses, ou en tout cas, été un moment particulier. Et j'avais envie de... À la fois, j'avais un coup de cœur pour tout ce que tu fais et j'avais envie qu'on partage un peu autour de ça ce soir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce lieu et ce moment, peut-être, dans son actualité ? Parce que l'histoire est longue. L'histoire est très longue, oui, très longue et très riche. Je vois Ulysse sur la table. Et l'histoire commence avec une Américaine, Sylvia Beach, qui est venue à Paris. Et c'est elle qui a publié Ulysse en 1922, quand personne d'autre voulait le toucher. Et voilà, donc elle a créé ce lieu dans le sixième. C'était dans le sixième à cette époque-là. Et ça a très rapidement devenu un centre de rencontres et de un centre d'échange entre ses amis écrivains français et ses amis écrivains anglophones. Il y a André Chanson qui a dit quelque chose sur elle que j'adore, qu'elle emmenait du pollen comme une abeille. Elle a fécondé des auteurs les uns par les autres. Elle a fait plus pour lier ces quatre pays, Angleterre, l'Irlande, États-Unis et la France, que quatre ambassadeurs réunis. Donc c'était voilà, c'est un moment très riche. Elle était entourée par tous les auteurs de l'époque, des années 20 et des années 30. Je crois que ton papa t'a baptisé Sylvia en pensant à elle. Complètement, oui. Il m'a dit que si j'étais née garçon, il aurait m'appelé Walt Whitman.
Donc, je pense que le nom de Sylvia, c'est un peu plus facile à porter. Et en tant que libraire, c'est une vraie inspiration, une vraie admiration que j'ai pour elle tous les jours. Et mon père, il l'a beaucoup admirée, évidemment. Mais je pense qu'il a surtout l'admirée parce que le lieu qu'elle a créé et ce qu'il a essayé de continuer avec la Shakespeare Company dans le cinquième, c'était de créer un lieu qui était plus qu'une librairie, une sorte de home away from home pour les gens, pour les gens qui sont peut-être perdus, qui veulent chercher un bateau pour tenir, et aussi pour un lieu pour trouver l'amitié par les livres. Et je pense que Silver Beach était une vraie amie des auteurs et des lecteurs. Elle a fait tellement de choses pour James Joyce, par exemple. Mais, et mon père, il aimait bien de dire que dans son esprit, il est moins en commerce que quelqu'un qui pratique l'amitié par les livres. Donc, c'est ça qu'on essaie de continuer aujourd'hui. Comment tu l'as ressenti et vécu ce moment ? On en parlait avec Cynthia Fleury. Il y a eu... Voilà, il y a les grands lecteurs qui aiment toujours se retrouver en librairie. Puis il y a eu ce moment où, je pense, d'autres personnes qui avaient moins le temps de lire, peut-être Cynthia le soulignait, se sont mis à vraiment vouloir lire beaucoup, à vouloir des livres, alors que les lieux étaient fermés. Voilà, comment ça s'est passé ? Comment surtout tu as ressenti cette émotion au-delà de la pratique ? Mais voilà, ça représente quoi, ce moment-là ? C'est vrai que ça, comme je pense tout le monde, c'était un moment de grande réflexion, réflexion sur le lieu à ma librairie spécifiquement, mais aussi sur le métier de librairie en général. Et je me souviens le choc du premier confinement et de me retrouver dans la librairie vide. Et normalement, cet endroit, c'est un espace tellement vivant, ça ne dort jamais, parce qu'on a des écrivains qui dorment la nuit dans la librairie. Donc, depuis... C'est merveilleux, c'est une particularité de ton lieu. C'est vrai, c'est assez rare de se retrouver à la caisse d'une librairie et d'avoir quelqu'un qui vient, qui demande « Est-ce que c'est la librairie où je peux dormir ?» Et on dit « Oui, on a une place, viens. » Donc, c'est un endroit qui était vivant la journée et la nuit et plein de créativité. Et quand je me suis retrouvée pour le premier confinement et c'était vide, il faisait froid dans la librairie. Et c'est la première fois que j'ai trouvé froid parce que c'est tellement un endroit chaleureux. Mais aussi, il y avait une tristesse et je me suis rendu compte que les livres sont... Il y avait une sorte d'attente des lecteurs. Ouais. Et les mots sont rien sans être loups. Donc, en fait, il y avait ce moment, quelque chose qui n'était pas vivant. Et il y avait aussi cette angoisse de le fait qu'on était fermé, que cette vide qui était créée par le fait que les librairies étaient fermées serait comblée par les grosses plateformes en ligne. Ouais. Et donc, ça, c'était très frustrant. Et c'était un énorme bonheur de rouvrir les portes de la librairie à la fin de ce confinement. Et en fait, pour la première fois, retrouver un quartier sans touristes. Oui. On est en face de Notre-Dame. Donc ça a complètement changé notre passage et notre ambiance. Oui, tu disais que tu as des livres comme ça qui sont un peu les plus vendus. Et ça a changé, là. Ça a changé. Oui, parce qu'en fait, on n'était qu'en contact avec notre clientèle du coin et les clientèles francophiles, ce qui était un plaisir fou et très intéressant. On a vu que Virginia Woolf, elle a remplacé Hemingway dans les meilleures ventes. Donc, il y avait des petites surprises comme ça qu'on n'attendait pas. Mais aussi, ça m'a rappelé à quel point j'étais reconnaissante d'être dans un pays où la littérature est aussi vitale. On n'a pas eu dans le monde anglophone ce débat passionné sur la question des librairies. Est-ce qu'ils sont des commerciales essentielles ou pas. Mais aussi, ça m'avait beaucoup fait réfléchir sur notre position en tant que librairie anglophone en France.
qu'est-ce qu'on peut offrir. Et ça m'a renforcé cette vision que j'ai depuis longtemps d'être sur un pont entre la culture française et la culture anglophone, un pont. Et ça s'éteint jusque Sylvia Beach, qui, avec cette image d'abeille qui emmène le pollen. Donc ça avait beaucoup fait réfléchir. Et puis, on a aussi, pendant le deuxième confinement, on s'est dit, bon, on ne va pas fermé complètement. On a fait un appel à nos clients pour faire des ventes en ligne et on a eu une explosion. C'était des ventes en ligne. C'était magnifique, il y a une mobilisation. Oui, normalement on a 10 ventes en ligne et là on avait 7000 dans une semaine. Mais ça nous a forcé de devenir une petite usine et d'avoir une fenêtre. Oui, une usine des abeilles, exactement. Et d'avoir une fenêtre sur ce travail différent de vendre un livre par une connexion électronique. Et évidemment, on était reconnaissants pour toutes ces ventes, mais on avait une impatience de retrouver les humains dans l'endroit et d'avoir ce contact que je trouve très beau et qui est beaucoup plus charmant que faire des paquets et d'avoir un échange électronique. Alors, tu parlais de pont. Et avant peut-être que Kiren nous rejoigne aussi, puisqu'elle s'était proposée de nous rejoindre, Kate Tempest, est-ce qu'on peut en parler? Je pense qu'elle est venue aussi par toi, chez nous. On en parle un petit peu. Je sais que tu as amené ce livre, On Connection, qui est merveilleux. J'adore ce livre, On Connection. Je pense que ce n'est pas encore en français, mais c'est vraiment sur notre besoin de connecter et cette connexion, comment ça peut être acquis par la créativité. Venez, on est en direct. Peut-être si tu te décales un tout petit peu, oui. Sylvia. Oui, un micro. Ils vont arriver. Installez-vous. Et puis, enchantée. Peut-être Patrick, ou tu peux entrer en scène. On avance dans cette soirée. On peut dévoiler les coulisses, improviser. Peut-être, Patrick, tu nous rajoutes une chaise, s'il te plaît. Je reprends là. Vas-y, Sylvia, pardon. Donc, oui, Kate Tempest, c'est une poète et c'est quelqu'un qui est venu 2-3 fois à la librairie. Elle est très frappante quand elle fait ses performances de poésie. Ouais, je pense que Karen, vous connaissez. Je l'ai vu. Ouais. J'ai vu cette poète musicienne, oui, parce que grande musicienne dans son écriture. D'ailleurs, ça a été demandé. C'est devenu une. Elle fait c'est plus des lectures. C'est une vraie musicienne. Oui, et c'est très beau parce que ce livre, c'est comme un manifesto sur l'importance de connexion et comment on peut attirer cette connexion par la créativité. Et comment elle explique avec ses expériences des événements et l'angoisse qu'elle avait parfois, mais comment ça a rendu tout le monde égal dans la pièce. Le moment qu'elle a commencé à parler et de raconter la poésie, que même si c'était dans une ouverture, je sais pas, d'une nouvelle galerie Louis Vuitton ou dans un prison, où elle racontait tous les différents endroits qu'elle a fait des lectures et comment, à la base, on est tous connectés. Et c'est très beau. Et là, on est dans un théâtre. Elle raconte une étude qui a montré que les gens, les battements de cœur sont... devient uniforme pendant une pièce de théâtre. En fait, et ça, c'est très beau, je trouve. C'est incroyable. Oui. Ouais, c'est beau. Mais je vous écoute, puis je regardais Irène aussi, parce que ça rejoint ce qu'on partageait tout à l'heure sur le texte. Oui, c'est vrai. Et aussi, elle parle de fait que c'est une relation. Elle dit « Words on a page are incomplete ». The poem, the novel, or the non-fiction pamphlet are finished when they are taken up and engaged with. Connection is collaborative. For words to have meaning, they have to be read. Et j'ai beaucoup pensé à ça pendant le premier confinement et quand la librairie était fermée. Elle n'avait pas cette possibilité de partager. J'ai trouvé ça très émouvant que vous dites que,
que le soir vous êtes arrivés, il faisait froid et les livres avaient presque l'air de s'ennuyer. Oui. Et ils attendaient les lecteurs qui allaient venir les prendre. Et les... C'est vrai qu'on pourrait bien imaginer une histoire voilà, d'animation et de dessin animé, de film avec ces livres comme ça qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les prenne, qu'on les lise, qu'ils passent de main en main, ouais, qu'ils ne soient pas oubliés sur une étagère. Vous êtes restée avec nous depuis tout à l'heure, quand j'étais avec Cynthia Fleury aussi, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque, tous ces échanges, toute cette soirée, par rapport à la lecture, justement ? Peut-être. C'est vrai que c'est très personnel, finalement, c'est très intime, ouais. De lire un livre, et chacun le reçoit de façon très différente. C'est sûr que tous les partages sont beaux à entendre, parce qu'il y en a, il y en aurait encore plus si on avait... Si on avait voilà. La nuit, vraiment. Oui, oui. D'avoir envie de ne pas entendre un livre à voix haute comme Cynthia Fleury, oui. Mais de l'entendre juste par la lecture et dans cette intimité-là, comme un secret presque. Oui. Il ne faut pas être... Au contraire, d'avoir besoin de l'entendre pour le partager. Je crois qu'un livre, c'est chacun, comme vous le dites au début, quelle lectrice êtes-vous ? Quel livre êtes-vous ? Enfin, il y a tellement de façons d'être un livre et d'être un lecteur et d'aimer la lecture. Kernan ? Oui, je pense que c'était très intéressant ce soir de voir un peu la relation que chacun a, une relation parfois pragmatique, parfois plus rêveuse. Et j'ai beaucoup aimé cette comparaison de la réalité et le réel, oui. Parce que même ça, c'est subjectif. Et même absolument. L'interprétation de Cynthia Fleury par rapport au réel, je l'ai sentie subjective parce que pour moi, elle représente encore autre chose. Et c'est ça qui est beau, c'est aussi la relation qu'on a des livres. Et voilà, et c'est... le fait de pouvoir partager comme ça une soirée avec des lecteurs totalement différents, c'est intéressant. C'est passionnant. Oui. Et j'espère que chez vous aussi, vous découvrez plein de textes et vous sortirez de cette soirée en ayant envie de lire beaucoup de livres. Emmanuel, peut-être je te propose de nous rejoindre parce qu'on parle des beaux textes. Annie Arnaud, tout à l'heure, on a lu un extrait de ce livre, Pourquoi lire, qui est sorti au premier parallèle avec des très belles collaborations d'Hartmut Rosa, notamment Annie Arnaud. On a lu Philippe Garnier au début. Et je pense que comme on a un petit peu de temps, on parlait de subjectivité, Kernan, c'est peut-être joli d'écouter un petit bout, un extrait, parce que c'est un très beau texte, mais un petit bout de l'histoire peut-être d'Annie Arnaud avec les mots et avec les livres. On a combien de temps ? 5 minutes. Ok. Vous nous avez réservé une petite chanson ? Un autre. Peut-être, oui, avec un, oui. Ben, j'ai très envie. Juste avant, il y a Yakuta qui va nous rejoindre pour nous conseiller justement trois super livres. On t'écoute, Emmanuel. À ce moment de ma vie, sans le savoir, j'ai été au cœur même de la contradiction que représente la lecture. Elle m'a séparé des miens, de leur langage, et même de ce moi qui a commencé de se dire avec d'autres mots que les leurs. Et elle m'a relié aussi à d'autres consciences par l'intermédiaire de personnages auxquels je m'identifiais, à d'autres mondes hors de mon expérience. Lire sépare et relie. C'est d'abord une séparation concrète. La lecture suppose la rupture de toute communication verbale. Elle isole de l'entourage. C'est aussi une séparation mentale. Lire, c'est être téléporté dans un univers nouveau, qu'il soit purement imaginaire, comme celui de Harry Potter, ou qu'à l'inverse, il réfère à la réalité sociologique ou historique, telle une journée d'Ivan Denisovitch. Lire, c'est être momentanément séparé de soi et laisser un être de fiction ou le jeu de l'écrivain occuper complètement notre espace intérieur, nous entraîner vers son destin, nous émouvoir. C'est accepter qu'une voix fasse effraction dans la conscience et se substitue à la nôtre. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. C'est accepter aussi d'être dérangé, bousculé et au final transformé. Mais dans le même mouvement, lire rapproche des autres, place dans la tête du criminel Raskolnikov, du transfuge de classe Martin Eden, dans les pensées de Mrs. Dalloway marchant dans Londres. Lire ouvre la sensibilité à ce que vivent les gens, à ce qu'ils ont connu, subi. Dès l'enfance, j'ai appris l'existence des camps d'extermination nazis,
mais ce sont les livres de Primo Levi, de Robert Antelme, plus tard d'Imre Kertész, qui m'ont rendu sensible, réel, l'impensable. Tandis que celui de Christa Wolf, Trame d'enfance, m'a fait comprendre comment le nazisme avait pu s'installer et prospérer dans les années 30. Lire agrandit les capacités de compréhension du monde, de sa diversité et de sa complexité. En français, lire et lier comportent les mêmes lettres. Lire ramène à soi. Lire pour se lire. J'ai conscience que la lecture ne constitue plus la source de toutes les connaissances comme elle l'a été pour moi et d'autres par le passé. Comme tout le monde, je ne consulte plus les dictionnaires, mais Internet. Je regarde à la télévision des émissions sur les conflits et les sujets de société. Je vois au cinéma des films et des documentaires. À l'instar d'un livre, j'en reçois du savoir et de l'évasion, du plaisir et de l'émotion. D'où vient cependant que le livre me semble irremplaçable ? D'abord par sa facilité d'usage, sa plasticité. On peut le feuilleter, commencer à lire au début, n'importe où. On peut courir dans le texte, ralentir, s'arrêter et lever la tête pour méditer une phrase. L'abandonner des semaines et le reprendre. La lecture ne s'inscrit pas dans une durée circonscrite. Elle est l'acte culturel le plus libre qui soit. Le rapport qu'on noue avec le livre est de nature très intime, souvent inscrit avec précision dans le temps et l'espace, associé à des moments de la vie et des lieux, une ville, une chambre d'hôtel, un train roulant vers l'Italie. Lire est une expérience qui engage invisiblement la totalité de l'être. Tous les sens sont convoqués par l'imagination. Et il y a ce qui reste indéfinissable, la voix du livre, qui manque à l'adaptation d'un roman à l'écran. Voix dont le timbre, la couleur, la douceur ou la violence subsistent dans la mémoire. L'une des scènes les plus troublantes que j'ai vues au cinéma est celle de la fin de Fahrenheit 451, un film de Truffaut. Tous les livres étant interdits et brûlés, des hommes et des femmes réfugiés dans la forêt vont et viennent en mémorisant chacun à haute voix un livre. Dans mon journal intime, il y a plusieurs années, j'ai noté « Le désespoir, je l'ai entrevu, c'est de croire qu'il n'y aura aucun livre capable de m'aider à comprendre ce que je vis et de croire que je ne pourrais écrire un tel livre. » Lorsque j'étais petite, mon père m'a accompagnée après la messe à la bibliothèque municipale située dans l'hôtel de ville et ouverte uniquement le dimanche matin. C'était la première fois que nous y entrions. L'endroit était solennel, désert, avec un parquet ciré et un comptoir derrière lequel se tenait un homme qui nous avait demandé quel titre d'ouvrage on voulait. Nous n'en savions rien. L'homme a choisi pour moi Colomba de Mérimée et pour mon père Le rosier de Madame Husson de Maupassant. C'est le seul livre que je lui ai vu lire à la table de la cuisine. J'ai commencé d'écrire vers 20 ans. J'ai envoyé le manuscrit d'un roman à un éditeur qui l'a refusé. Ma mère était déçue, mon père non, presque soulagé. Il est mort 5 ans avant que j'aie un premier livre publié. Je me demande si la finalité profonde ou le ressort de mon écriture n'est pas d'être lu par ceux qui, d'habitude, ne lisent pas. Annie Ernaux. Merveille. Ça dit bien des choses aussi de ce qu'on a partagé ce soir. Merci Emmanuel pour toutes ces belles lectures. Merci. Peut-être Yakuta, Alika Vazovic, ça y est, tu nous rejoins. Je vois que tu as ton micro, la chaise arrive. Et je ne voulais pas qu'on se quitte sans quelques recommandations. Je ne sais pas si... Je pense qu'on va encore passer. Alors Yakuta, Alika Vazovic, bienvenue. Tu es écrivain. Tu as écrit L'avancée de la nuit, notamment à l'Olivier, qui est un livre magnifique qui remporte un succès au fil des années. Encore, c'était en quelle année ? 2017. Et on... Le même rythme que Cynthia. Et je voulais que tu sois avec nous ce soir parce qu'on a enregistré un podcast pour Reading One il n'y a pas longtemps. Et tu es une lectrice incroyable. Et la passion, l'humour,
le style avec lequel tu parles des livres que tu aimes, moi, m'a fascinée. Donc, j'avais envie que pour nos invités, peut-être, tu nous proposes trois livres qui pourraient nous aider. Je crois qu'on va passer encore un petit peu de temps dans nos univers domestiques. Le micro, je crois. Ouais. Merci beaucoup, Camille. Merci. Merci. C'est mieux ? Oui. Ah, bah, c'est beaucoup mieux. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette invitation, entre autres, c'était parce que suite à ce podcast, je suis sortie et puis je me suis dit, mais j'ai pas parlé de quelqu'un qui a énormément compté pour moi, un écrivain qui a compté, qui compte beaucoup, qui est Henry James, dont Cynthia parlait tout à l'heure. Et donc, l'acte manqué réussi tient au fait qu'il ne fait pas partie de ma sélection ce soir. peut-être que j'ai envie de le garder un peu pour moi. Enfin, il n'a pas besoin de moi. Mais alors voilà, je vais fouiller dans ce grand sac qui est là et je vais produire des livres. Et je vais vous dire pourquoi ceux-là, aujourd'hui, me semblent lisibles. Produire des livres, j'adore l'idée. J'adore l'idée du sac. Le sac à malice. Lequel va sortir en premier ? C'est le sac du Père Noël, peut-être. Tu sais, sans fin. Il est là. C'est La Maison des Feuilles de Marc Danielewski. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre qui a une vingtaine d'années. Que certains appellent un livre culte. Je ne sais pas quoi faire de cette appellation. En tout cas, c'est un livre extraordinaire qui se laisse lire et relire sans cesse. Je vais le montrer pendant que tu en parles un petit peu, parce que je sais que ça se passe par là, pour vous, chez vous. C'est un livre, une sorte de roman fantastique. C'est une sorte de roman sur une maison hantée. Et c'est un livre qui a cette grande particularité que la façon dont on le lit a complètement, selon moi, changé là. En raison de la situation que l'on vit, parce que moi, c'est un livre que j'ai lu il y a un certain temps qui m'a fait frémir, trembler, c'était une frayeur. Et maintenant, ce qui s'y passe relèverait plutôt du fantasme. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il est notamment en très grande partie question d'une maison qui grandit toute seule. C'est une maison, imaginez tout ce temps qu'on passe chez nous en ce moment. Là, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le mouvement inverse, que les murs se referment sur nous, que je connaisse chaque centimètre carré de mur, de porte, et que je me dis ça, il va falloir le repeindre, et jamais je ne le repeins. Voilà, je ne sais pas si vous avez ce rapport halluciné comme moi à votre intérieur. Toujours est-il que la maison des feuilles, cette maison des feuilles, c'est une maison qui grandit. Et ça commence dans un couloir, et dans un couloir, il y a une porte qui n'y était pas la veille. Et les gens se disent, mais tu avais vu cette porte ? Non, je n'avais pas vu cette porte. Et la maison, comme ça, se met, elle engloutit des équipes d'explorateurs. Voilà, donc si jamais vous avez envie de faire de la spéléo, sinon chez vous, du moins dans vos lectures, La Maison des Feuilles est un très bon choix, je pense. Voilà, je vais le poser maintenant ici. Je vais le remontrer. Remontre-le pendant que je... Brandy le deuxième. Aux éditions, point. Traduit par Claro, qui a été... c'est un sacré livre, hein, parce que le livre grandit avec la maison. Il se passe des choses folles sur la page. Parfois, il faut tourner la page. Il y a des notes de bas de page. Enfin, c'est des histoires dans des histoires. Ça a dû être assez fabuleux à traduire, et par fabuleux, j'entends aussi terriblement compliqué. Et Claro a été, je crois, alors ça c'est mon agenda, c'est pas ça, couronné pour cette traduction. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai ? Là je triche un peu. Ah, il est là. Edith Wharton. Alors on reste un peu près de James quand même, parce qu'Edith Wharton était la grande amie d'Henry James. Une romancière, une novelliste, la première femme, je crois, à avoir eu le prix Pulitzer, mais il faudrait s'en assurer. Je l'aime beaucoup, Edith Wharton, et j'aime tout particulièrement, peut-être, ses histoires de fantômes. Donc voilà, là, il y a une sélection, Carefol et autres histoires de fantômes, édition et traduction de Jean-Pierre Nogrette, qui fut mon professeur.
Oui, parce voilà. que tu traduis toi aussi beaucoup de merveilleux livres, dont un David Foster Wallace qui est sorti récemment. Absolument, mais on en parlera après, si tu veux, c'est mon fantôme à moi, Foster Wallace. Donc ces histoires de fantômes, Carefol et autres histoires de fantômes, pourquoi ? Parce que on a beaucoup parlé, là pendant que nous on était chez nous, on a beaucoup parlé des animaux qui revenaient, qui reprenaient un peu leur marque dans les villes. Et puis, Edith Wharton est la seule, à ma connaissance, à avoir parlé d'animaux qui font retour, mais de façon fantomatique. Je ne vous en dis pas plus, parce que c'est la première nouvelle de ce petit recueil. Mais c'est extraordinaire. Et je pense que la période se prête assez à renouer avec cette espèce de tradition des contes qu'on se raconte pour se faire un peu peur, mais surtout pour passer les nuits qui, commençant à 18h, sont quand même assez longues, voilà, entre nous. Donc, Edith Wharton, Carefol et autres histoires de fantômes. Tiens, je vais le montrer. Tiens, aussi. Brandis-le, tu peux brandir mon agenda aussi si tu le souhaites, je ne sais pas. Carefol et autres histoires de fantômes. Un petit dernier ? Un petit dernier. Où est-il ? Qu'est-ce que tu nous as réservé comme Alors, surprise ? Voilà, c'est vraiment le livre ultime, c'est Si rien ne marche. Si rien ne marche et que vous sentez le désespoir s'installer dans votre cœur, parce qu'on ne va plus nulle part, ni au cinéma, ni même dans la jungle. Voilà, deux en un, La conquête de l'inutile de Werner Herzog. Le journal du tournage de Fitzcarraldo, qui est un film que j'aime énormément. J'aime énormément le cinéma. Le cinéma me manque terriblement. Sylvia, tu le sais, puisque nous avons enregistré dans une salle de cinéma. On s'est retrouvés au cinéma de Silencio à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, et c'est vrai que c'était une double émotion pour toi de me voir. Absolument. Un être vivant, toujours. Tu l'as dit. Et d'être dans cette salle, c'est vrai, qui était vide, mais qui du coup déclenche beaucoup d'émotions. Voilà, donc Werner Herzog, Conquête de l'inutile, traduit de l'allemand. Alors pardonnez-moi, je le lis parce qu'ils sont nombreux. Coralie Courtois, Frédéric Guillaume Goethe, Louise-Anne Rimbaud et Isabelle Voisin. Je n'en connais aucun. Et c'est donc le journal de ce tournage. Et rien ne se passe comme il voudrait, jamais, rien. Rien, c'est une abomination du début à la fin. Son acteur, Robarts, tombe malade. Il est obligé de quitter le tournage. Il ne sait plus par qui le remplacer. En plus, l'assistant de Robarts était au départ incarné par Mick Jagger, qui est là dans la jungle avec lui, mais qui doit partir en tournée avec les Stones. Donc il se griffe les joues, Werner Herzog. Il y a un moment où il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais le jouer moi, ce Fitzcarraldo, ce sera plus simple. Et il a une phrase qui m'émeut beaucoup, parce que je l'ai lue avant mes 38 ans et après mes 38 ans. Il dit quelque chose comme « Mais voilà, mais j'ai 38 ans et j'ai tout vécu. » Voilà. Tu veux nous en lire un petit extrait, peut-être ? Oui, je vais en lire un petit extrait. Ça donne envie. Alors, lequel ? Parce qu'il y en a plein, c'est délicieux. Il y a plein de choses qui vous feront voyager. Voilà, ça, c'est merveilleux. Ah oui, on a besoin de voyager. J'ai vu pour la première fois du cacao fraîchement cueilli. J'ai décortiqué le noyau qui ressemble à une fève déformée et j'ai été déçue par le goût amer car l'intérieur ressemble à du chocolat. Notre bidon de 26 kg de curare pur pour les flèches fait forte impression. Un membre de l'équipage me chuchote solennellement en se curant les ongles avec un tournevis qu'ici, on reçoit une femme en mariage en échange d'une cuillère de cette masse noire et gluante. Tout est disproportionné ici. Les hameçons qu'on trouve dans les petites épiceries ont la taille de la paume de mes mains. La peinture noire de leur visage rend les Indiens invisibles. Merci beaucoup, Yakuta, pour ces recommandations. Vous aviez lu un de ces livres, tous ces livres, aucun, ça vous donne des envies ? Il y a un documentaire là-dessus aussi que j'avais vu. Moi, j'ai envie de piquer Yakuta pour l'enfermer dans la librairie, dans un coin, pour donner des recommandations toute la journée. Pareil, moi aussi, je lui ai dit. Tu fais tellement bien. Tu le fais très, très bien. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour cette nuit de la lecture. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Une pensée, s'il vous plaît, pour Henry James, qui devait être ma figure tutélaire. Je devais rattraper cet oubli impardonnable et voilà, donc une pensée pour lui.
Et merci. Et puis ce soir, on te recevait pour ces recommandations, parce que comme je le disais, ton humour, ton énergie, ça fait du bien. On peut écouter le podcast en entier pour écouter la lectrice que tu es, tout ce que tu aimes. Oui, c'est un podcast où j'ai l'air droguée, je le précise. Je ne l'étais pas, mais enfin. Tu étais droguée par le fait d'être dans une salle de cinéma. Mais j'étais droguée de joie, j'étais droguée de vie. Bon, et ben merci beaucoup. Irène, on a commencé ensemble, Karenan. Peut-être on peut terminer cette soirée ensemble. C'est un peu improvisé, c'est le partage. Oui, parce que c'est vrai qu'on devait avoir Lou, qui devait être ici. Ouais. Et on a appris juste avant, effectivement, qu'elle ne pouvait pas venir. Quelques minutes avant, et qui nous relie aussi avec toi, Sylvia. Ouais, je sais que vous vous voyez souvent à la librairie. Voilà. Alors, on peut compléter comme ça, peut-être par c'est vrai qu'on parlait de ces poèmes qu'on a dit au téléphone pendant le confinement, les poèmes qu'on a partagés avec les chansons avec Kerenan. On va faire quelque chose d'un peu inédit, puisqu'on n'a pas encore répondu. Pendant que je vous écoutais, je me suis dit, tiens, quel poème je pourrais dire qui pourrait aller. Puis, voilà, peut-être. Je me suis dit peut-être un poème de Charles Bukowski. Ah, génial. Non, parce que quand on s'est parlé avec Karenan, elle m'a dit, je ne connais personne qui lise mieux Bukowski qu'Irène Jacob. Ouh là là, non, ça c'est très très mal commencé. C'est très sincère. C'est très sincère. Mais maintenant, elle a pas pris avec elle. Donc mais c'est parce que j'adore. Moi, je pourrais l'écouter... Attention, pardon, votre micro. Non, mais du coup, vous l'éloignez. Non, je disais que j'adore Bukowski quand on a commencé à échanger en ligne, en public. Et quand elle m'a dit Bukowski, je sursautais comme ça. Et c'est vrai qu'après, je voulais encore et encore de Bukowski. Et alors, par rapport au thème de la soirée, je me suis dit que je pouvais dire ce poème qui s'appelle L'oiseau bleu. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Parce que, voilà, c'est vrai que... en regard au confinement, mais aussi en regard à tout ce qui reste à l'intérieur, et qu'on a besoin aussi des livres pour qu'ils puissent sortir et pour qu'on puisse... Et c'est un poème que je vais dire de mémoire, et je ne me souviens pas du nom de la traductrice. Donc excusez-moi, c'est parce que si je l'avais avec moi, j'aurais pu vous le dire. Mais je l'ajouterai dans le descriptif du replay. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, reste là, je ne veux pas qu'on te voie. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je verse du whisky dessus. J'inhale une bouffée de cigarette. Et les tapins et les bartenders et les employés de l'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop malin. Je le laisse sortir quelquefois, la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je vois bien que tu es là, alors ne sois pas si triste. Et je le remets. Mais il chante un peu là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir. Alors on s'endort ensemble, comme ça. Lié par notre pacte secret. Et c'est assez beau pour faire pleurer un homme. Mais je ne pleure pas. Et vous ? Mais c'est merveilleux de vous écouter. C'est un voyage. Est-ce qu'on termine avec une petite chanson, peut-être ? Je vois qu'il est 22h, comme on est en direct. 22h chez vous, 22h ici. On va rendre l'antenne, comme on dit. Mm-hmm. Mais peut-être, franchement, avec un peu de musique, c'est chouette aussi. Pendant que vous vous installez, je vais vous remercier, déjà vous, chez vous, d'être resté avec nous toute cette soirée, dans votre salon, à nous accompagner. On a ressenti votre présence très fort. C'était beau, tous ces partages. Merci Olivier Chaudançon à la Maison de la Poésie. Maison de la Poésie qui est un lieu essentiel qui a été créé par la ville de Paris. La Nuit de la Lecture, c'est un événement national, c'est une initiative du ministère de la Culture. On était heureux de la partager ici et du coup avec toute la France aussi,
grâce à Internet. On a parlé un peu d'Internet, mais de ce que ça pouvait nous donner aussi comme proximité. Ça nous a permis d'être ensemble ce soir. Donc merci à toute l'équipe technique de la Maison de la Poésie. Je ne peux pas citer tout le monde. À Patrick, à Francesca Mantovani qui m'accompagne surtout, qui a installé toutes ces petites lumières, tout ce décor pour qu'on se sente comme à la maison. Tous mes invités, Irène, Jacob, merci. Sylvia, merci de nous avoir rejoints. Yakuta, Cynthia qui est partie. Emmanuel, tu veux venir te mettre en taille indienne pour écouter Keren de plus près ? Dans le fauteuil ? Et on va terminer en chanson ? Vous voulez un peu d'aide ? Sinon, pas de soucis. Voilà. This could be a brave beginning, should you want to take it from the start. Come around the fire, you're spinning straight into your heart. And there are days... Pardon. oui. Je l'ai senti. Recommencer? Ok. Ou je reprends, je sais plus. Mais. This could be a brave beginning, should you want to take it from the start. Come around the fire, you're spinning straight into your heart. In their days you find serenity, in days you want to lose control. You have it all, you have it all. The friend you need, the wicked blues. You have it all, the land to roam, the shores to run, the seas to cruise. You have it all to lose. In the skyline we are facing, you always want to make your mark. Let aside the hours, you're aching softly in the dark. In their days your love is endless, in days you want to save my soul. You have it all, you have it all. The friend you need, the wicked blues. You have it all, the land to roam, the shores to run, the seas to cruise. You have it all to lose. Merci, bonsoir à tous. Prenez soin de vous.